le crois pas. Voilà, tu connais Talia. Reviens pendant l'émission si tu veux. Ah ben voilà, ça qu'on va faire. Tu viens, tu dis bonjour. Il y a Lucchini qui est là. Voilà, c'est ça, mais je peux pas. Un grand retour là. Voilà, s'il vous plaît. Hein. Je peux prendre cet objet ou pas? Oui, tu peux l'embarquer si tu veux. Ceci est à moi. Voilà. Talia, c'est la nouvelle star de l'émission. C'est Talia, voilà. Beaucoup, beaucoup d'emails pour Talia. Vous faites un formidable travail, monsieur. Merci, monsieur Ramzi, vous aussi. Allô? Ouais, c'est moi. Ah, ça va? Ça va? Ouais, cool. Oh, t'as vu ce qui se passe là? Tout le monde en parle. Ah non, de quoi tu me parles? Attends, tu rigoles quoi? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah, le truc! Mais oui, ce matin je suis allée au pressing, mais attends, mais tout le monde en parle. Ah non, c'est fou, tu sais que j'ai eu le truc en ligne là, il est à fond dessus. Ah oui, arrête. Il en parlait aussi. Lui aussi il en parle. Ah oui, lui aussi il en parle. Si lui il en parle, ça veut dire que tout le monde en parle. Ah non, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je le crois pas. Tout le monde en parle! Inévitable, tout le monde en parle, non? Indoukal El Hassan, c'est ta médite. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle, vous connaissez le principe. Tout le monde en parle, alors tout le monde en parle. Vous connaissez l'équipe, voici Laurent Baffy. Laurent Baffy, madame. Laurent Baffy. Laurent Baffy. Laurent, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ce qui va détrôner le... Ça va détrôner le homard. Le homard, voilà. Ah oui, ça peut détrôner le homard. Ah ouais, c'est très très fort. C'est un chat qu'on met dans un petit sac. C'est trop fort. Tiens, tu veux jouer avec, Thierry? Ouais, j'aimerais bien jouer avec. Ouais. Pauvre bête, mais ça caribe. Laurent Baffy. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emails pour vous, Laurent. Lila, du Québec, qui dit qu'elle est enceinte de 7 mois. Oh, tu m'as fait peur. Qui dit qu'elle est enceinte de vous, Laurent. Non, elle n'est pas enceinte de vous, elle est enceinte de 7 mois. Et elle dit que sa petite fille est la plus jeune baffiste du monde parce qu'elle bouge pendant le jingle. Exactement. Agnès de San Francisco qui me dit « Je ne suis pas baffiste, mais je suis obligée de bouger pendant le jingle pendant les tremblements de terre ». Et elle demande une dérogation, vous êtes d'accord, Laurent? Oui, sur la faille de San Andrea, on voilà. Est obligé de... C'est possible, on peut bouger oui, pas. Absolument. D'accord, très bien. C'est tout? Mis à part Laurent Baffy, je recevrai ce soir Doc Gineco, Fabrice Lucchini, Sophie Talman, l'ex-directeur financier de l'OM, Arnaud Montebourg, Claire Legendre et Louis Nicolas. Et pour arbitrer le blind test, un blind test spécial été ce soir, j'accueille Monsieur Philippe Corti. Philippe Corti. Voilà. Philippe Corti, donc, en hommage à la fête de la musique de jeudi dernier. Philippe Corti, toujours au diapason. Rémi Bricard. Beaucoup d'emails aussi pour Talia, presque autant que pour Jean-Claude Van Damme. Nos amis téléspectateurs veulent mieux connaître Talia et on les comprend. Talia, vous pouvez revenir s'il vous plaît. Talia, mesdames, messieurs. Talia,
Voilà, qui à mon avis va devenir une énorme star. Merci Talia. Et maintenant, on passe au jeu du homard. Vous savez, s'il y a des ex-aequo blind test, pour les départager, nous pratiquerons le fameux jeu du homard. Pour vous montrer comment ça marche, j'appelle Boris Leca de Fourqueux. Il a envoyé un email en disant qu'il voulait participer au jeu du homard. Boris, asseyez-vous. Et pour s'opposer à Boris Leca, bonsoir, asseyez-vous, j'appelle de nouveau Monsieur Philippe Gordy. Vous connaissez le principe, hein? Vous mettez, quand le homard est comme ça, vous vous mettez comme ça, voilà. Vous devez tomber en même temps que le homard. Serge qui a gagné, qui a gagné. Replay. Top replay, attention. Philippe Corti. Philippe Corti, mesdames et messieurs, désolé. Et voilà, Philippe Corti. Si vous aussi vous voulez affronter Philippe Corti dans le jeu du homard, vous envoyez des emails et peut-être vous serez admis à vous affronter à monsieur Philippe Corti. Voilà, vous savez qu'il y a une tradition dans cette émission. C'est de diffuser chaque semaine les meilleurs moments de l'émission précédente. C'est préparé par Jean-Yves Noël et ça s'appelle « Tout le monde en a parlé ». C'est quoi ton type de mec? T'aimes bien les humoristes qui se déplument un peu? Non, bien pas du tout. Enfin, ton style, pas du tout, non. Sincèrement. Oh, les émotions, c'est... Il est sympa, de long, dans la vie? Moi, j'ai pas trop apprécié, sincèrement. Delon avait voté pour Miss Poitou, lui. Ouais, oh, l'enculé. Vous étiez assise à côté de lui. Et moi, j'aimerais savoir ce que dit Alain Delon dans un moment pareil. Alain Delon a faim. Madame de Vendée, regardez, on vous a fait une super tarte aux pommes, on vous a fait une super quiche. Pourquoi je la ramènerai pas chez moi? Bien sûr. Enfin, moi, je sais qu'elle aime le gras du jambon. Oui. Eh ben, alors, je la vois pas souvent, ben, je le garde, mon petit gras de jambon. J'ai de la coine pour toi, j'ai mis dans mon frigo. Ça va bien. Oh. J'aime bien, c'est incroyable, franchement. Elle vote la Guillier. Ouais. Ah oui, mais vous avez vu qu'elle monte depuis que je vote pour elle, ouais. Mais oui. Arlette. Mais toi, tu descends. Oh, ça le prie. Oh. Déjà, je suis contre l'euro, ça m'hérisse le poil de penser à l'euro. Bah, juste quand tu t'habitues au nouveau franc, t'as vu ce que je mets. Ils sont salauds quand même. Dernier coup de rein. Ah. Non, ça c'est... Joker. Yeah. Non. Comment non? Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal? Écrivain, ça il a très mal pris. Ce que vous préférez dans le sexe? La bite. Quel est l'animal qui embrasse le mieux? Iguane, c'est gentle. Yeah. Les iguanes, c'est très gentil. La coke, faut pas toucher, c'est de la merde. Voilà. J'ai essayé, moi, de la battre. On peut pas la battre. Alors, elle devient, quand on la connaît, elle devient un compagnon qu'on touche pas. Je suis allergique à la coke. C'est très simple. Et c'est pour ça que je sais te parler maintenant. Je suis en forme, j'ai peur de personne, je suis fort dans les yeux, parce que je fais pas de coke, tu vois. Bon, je parle un peu vite. C'est pas un problème, non, si je suis rapide. Je suis un mec qui est rapide, je suis speed, pourquoi? Je mange que des légumes. Je suis en pleine forme, mais pas. Quoi, c'est pas... Mais je suis bien ici. Est-ce que vous êtes mégalo? Mais il faut une tête gonflée pour booster son ego. Parce que ça fait part de notre dans la nature humaine. Si on dit pas qu'on est bien dans la vie, si on dit qu'on est petit, qu'est-ce qu'on est? On va rester petit. Je suis grand, je suis fort, je suis beau, je suis Van Damme. Voilà, c'est ça. Après. Oh, pas grave. Voilà, Jean-Claude Van Damme, qui a beaucoup marqué la dernière émission. Jean-Claude Van Damme, beaucoup d'emails d'ailleurs pour Jean-Claude Van Damme.
Bébert de Tonon qui me dit « Jean-Claude Van Damme a l'air bien énervé, il faudrait peut-être lui conseiller un sport genre art martial, c'est une bonne idée, le karaté peut-être, le kung-fu. » Beaucoup de gens ont remarqué les auréoles sous les bras et ils disent qu'ils devraient changer de déodorant. Et puis Samy de Nantes qui me dit « Il y en a qui ne donnent pas envie d'arrêter la coke. » Et maintenant, mesdames, messieurs, je veux dire une chose, Thierry. J'aime pas que quand dans vos émissions, vous posez la question sur le cabanis. Voici Doc Gynéco. Doc Gynéco, mesdames, messieurs, ça va? Oui. Je sais pas ce que j'ai quand vous arrivez, je vois tout flou, là, comme si j'avais trop fumé. Ça va? Ça peut aller, ouais. Ça peut aller. Vous êtes quand même une star énorme parce que vous êtes le premier rappeur à avoir eu votre marionnette au guignol. Oui. Elle se marie tout le temps toute seule, cette marionnette. Je trouve qu'elle est moins intéressante. Je la trouve mieux quand c'est Chirac, parce que quand on le voit en vrai, ouais, il fait pas rire une seconde. Ouais. La mienne, elle me ressemble vraiment. Vraiment. Vous avez déclaré, Doc Gynéco, « Petit, je fumais pour afficher ma révolte. Aujourd'hui, je fume pour digérer, comme quand on dégaine un Havane. » Oui. C'est digestif, maintenant, le pétard, chez vous. Tu peux aller plus doucement, Thierry. Oui, non, c'est pour dire que je fume pas pour me péter la tête. Ouais. Ah bah non. C'est fait, ça. Donc, non, il y a un truc quand même. Il y a un truc qui m'inquiète, sérieusement. Vous dites, en parlant de l'herbe, j'arrive pas à décrocher, je suis un misérable. On peut s'accrocher à l'herbe? Non. Oui. Ah bon? Comment on fait? Ben, je pourrais pas m'en sortir, j'en ai vraiment trop fumé. Ah ouais. Faudrait... Ça se voit pas. Hein. Alors votre succès, c'est dû effectivement à cette image comme ça, très, très cool. Et puis à votre pseudo, Doc Gynéco. Au début, vous l'avez expliqué en disant, c'est le seul homme que toutes les femmes ont en commun. Mais finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez la volonté de quitter un peu ce pseudo de Doc Gynéco. On s'appelait Doc Proctologue. L'avenir pour toi. Non, il veut s'appeler Bruno Bottir, tout simplement, je crois, non, maintenant. Je prends de l'avance sur le sens critique des journalistes. Je sais que dans quelques temps, ils vont me demander si ça fait pas un peu... c'est pas étrange de s'appeler encore Doc Gynéco à mon âge. Ouais. Il y a des vieux gynécos en même temps. Ouais. Donc ça, c'est votre image, quoi. Amateur de pétards et de femmes. Et le style. Vous avez un style très particulier. Vous dites, j'ai commencé à kiffer sur les mots en écoutant Aznavour. Et c'est vrai que le rap que vous faites, enfin si c'est encore du rap d'ailleurs, est très revu et corrigé par la chanson française. Et on est loin des parodies du rap américain quand même. J'arriverai jamais à avoir l'attitude du rappeur outre-Atlantique. Ouais. Les fosses dans le nord, etc. Les chaînes, tout ça, les grosses bagnoles, les piscines avec les filles autour, c'est pas trop votre truc, quoi. Ah, si. Bon, oui. Vous m'assurez. Non, mais... je pourrais pas oublier que j'ai grandi en France et malheureusement ou heureusement écouter quelques tubes d'Annie Cordy, ouais, etc. On sent bien l'influence d'Annie Cordy. C'est une... Non, mais... C'est vrai que... Quand on écoute les chansons de Bruno, c'est vrai qu'on sent l'influence effectivement d'Aznavour, de Brel, de Dutronc. Il y a toute une école française qu'on retrouve chez vous. Et... Oui, j'ai appris ça à l'école, ouais. Maxime Le Forestier. Voilà. Ouais. C'est dur à dire. C'est très bizarre. Bon, on va se calmer. Là, vous avez fait un gros effort. Oh, il est pas très énervé, là, c'est bon. Il faut qu'il se repose maintenant. Didier.
comme Bérégovoy. Aussi vite que c'est marrant, je veux avoir le nirvana. C'est un moi je suis né ici, dans la misère et les cris. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici, dans la misère et les cris. Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux pas sortir avec moi? Vanessa, les lits c'est fini et t'as pris la tête. Big nichon, blanc cachichon, la boulette, c'est dans la chaussette. Ma rue est bourrée de vis, à chacun ses délices, à chacun sa 8-6. Dans ma rue, les lascars se serrent la main. Ce n'est pas comme dans le showbiz où les mecs se font la bise. Dans ma rue, les chinois s'entraident et se tiennent par si, pour percer, bercer les gens de bonne musique. Faut signer sur des labels qui ne pensent qu'au fric. Je le fais, et si je pouvais, je ferais les pubs qui vont avec les tubes. Et tu comprendrais comment t'entubes. Demande à Virgin si j'ai des copines dans la machine. Elle, elle a changé. Voilà, Doc Gineco. Doc Gineco, et puis maintenant, il y a un nouveau CD qui sort. Vous savez comment on fait, Gineco, hein, vous êtes au courant? Vous savez comment on fait? Oui. Avec les petites mains? Bien sûr. On est prêt? Laurent? Sexe, magouille et culture générale. Bon alors, il y a ça déjà. Et puis à ça. Je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de dresser ma patte à personne. Voilà, Souveraine, c'est le deuxième single, extrait du troisième CD de Doc Gineco. Le CD s'appelle Quality Street et le single en promo s'appelle Souveraine, voilà. Bon, ben dans ce CD, on retrouve les mêmes thèmes que d'habitude, quoi, les femmes, le sexe, le foot, la fumette, la paresse, le désenchantement, qui sont des thèmes hautement gynécologiques, on peut dire. Non, depuis Bliss, ouais. Je me sens mieux. Depuis l'album de ouais. Vanessa. Ouais. Pourquoi? J'ai compris qu'il pouvait y avoir aussi dans la vie. Il faut que j'arrête de me soucier un peu de tout, ouais. Les problèmes qu'il y a aussi dans le monde. J'écoute Bliss et je me sens bien ensuite. Ouais. Ah oui, ça prend pas la tête, Bliss. Hein. C'est le moins qu'on puisse en dire. Il y a des guests dans cet album. Il y a Laurent Voulzy, qui a les mêmes origines antillaises que vous. Et dans la chanson que vous interprétez avec lui, qui s'appelle Noir et Blanc, vous prenez vos distances de plus en plus avec le rap dur, avec le secteur A, vos anciens amis du ministère Hammer, non? Non. Bah si. J'ai toujours été à part. Maintenant, je préfère donner un coup de main à ceux qui le méritent vraiment. Ouais. Peut-être à des jeunes. Eux, ça y est, maintenant, ils ont réussi. Mmh. Vous dites dans la chanson, il y avait des mots pour le secteur, des mots violents, presque en verlan, des mots qui meurent et font couler le sang. Ces mots sont morts dorénavant. Oui, pour le secteur, c'était pour dire pour mon environnement. Ouais. Et comme c'était une chanson un peu dédiée à mes enfants, j'ai oublié la question. Hey, nous aussi.
Alors c'est un peu les mêmes propos dans Caramel, qui est le premier single extrait de Quality Street. Vous dites c'est mon parcours, Papa Caramel, survivant aux escroqueries et aux querelles. C'est allusion au problème que vous avez eu avec vos anciens amis du secteur A, cette histoire de raquette là. Non, c'est en général. Ouais. C'est juste quand tu réussis, quelquefois t'as quelques problèmes. Quand t'es trop, quand t'es pas assez, quand t'es trop proche de tout le monde. Mais on va pas faire la soirée là-dessus, mais cette histoire de raquette, les flics que vous avez appelés, qui sont venus, ensuite ils se sont planqués près de chez vous, et ils ont dit qu'il n'y avait jamais eu de violence en fait, vous avez jamais été raquetté violemment. Non, c'était de la publicité mensongère. Ouais. Cette histoire, à la vérité, ça m'a fait ensuite vendre 3 fois plus de disques. On voulait tester la méchanceté des gens. On voulait voir si, en leur disant que ma vie est en jeu quelquefois. Ouais, ça vous a donné de l'importance d'un seul ouais. coup. Ouais. Mon Dieu. Alors il y a une autre guest sur cet album Quality Street, c'est Chiara Mastroianni. Vous dites c'est mon meilleur pote. Vous êtes ami avec elle? C'est une muse différente des autres parce que... Non, je l'aime bien. Ouais. Je l'aime bien, c'est difficile d'en parler comme ça. Ouais. Parce que... Vous parlez aussi dans votre album de Mazarine Pinjot. Oui. La fille de François Mitterrand, vous la connaissez aussi? Vous la rencontrez souvent? C'est une pote à vous? Je l'ai eu 2-3 fois au téléphone. Vous avez déjà son numéro, c'est pas mal. Ouais. C'est un début, hein? On devrait peut-être... T'as quoi comme forfait au téléphone? T'as un grand forfait, t'as... Un forfait. Le forfait... Comment ça s'appelle? Le forfait vaudou. Vaudou illimité, un peu? Ouais. Ah ouais, tu m'étonnes. Vous êtes né à Clichy-sous-Bois, de parents guadeloupéens, mère noire, père blanc. Vous avez été victime du racisme quand vous étiez petit ou non? Dans le 18e, il n'y a pas vraiment de racisme. On va à l'école tous ensemble. Il y a des commissariats quand même. Non, c'est des bars tabac. De vrais commissariats. Ouais. Alors votre mère était assistante sociale et heureusement elle vous a obligé à lire. Elle vous a obligé, il fallait une assistante sociale comme mère pour lui. Elle vous a obligé à lire Saint-Exupéry et elle rêvait pour vous de concours d'État, d'administration. Voilà, elle avait de l'ambition pour vous. Bah, j'ai réussi dans l'administration de la musique. C'est vrai que quand vous étiez petit, vous étiez très précoce hein, sur le plan sexuel. Ouais. Vous étiez le premier quand même à vous occuper des filles, vraiment sur un plan gynécologique. Ouais, on m'appelait, avant Doc Gynéco, on m'appelait Langue de Velours. Ah. Et on l'appelait aussi Main d'Argent. Et quand il rentrait à la maison, il fallait qu'il se lave les mains parce qu'il avait peur que sa mère s'en aperçoive. Alors en 1990, votre père quitte le domicile conjugal et vous allez vous installer avec votre mère dans le 18e, oui. Au 23e étage de la tour Mercedes, à la porte de la chapelle. Il faisait quoi comme boulot, votre père? Il était, comment dire... il relevait... Il était... Entrepreneur, ouais. Marchand de biens. Ouais, non, c'est vrai. Oui. Ah bon? Ouais. Non, ouais. Et là, porte de la chapelle, Doc Gynéco fait son éducation avec les putes du boulevard Ney, les accros au crack, les travelots. Très vite, vous faites les 400 coups avec votre ami Stummy Bugsy. On espionnait... la prostitution dans Paris. C'est de l'éthologie. Ouais. La chasse aux meufs. La chasse aux meufs. Moi, je voulais ressembler au plus grand mac du quartier. Ouais. Ouais, on était plutôt dans ce côté-là de la vie. Ouais. C'est vrai que votre première expérience sexuelle, c'était à plusieurs. C'était l'amour à plusieurs sans que ça prête à conséquence. C'était pas violent, c'était comme ça, c'était non, naturel. Non, c'était seul, mais il y avait plein de monde. Ouais. Ouais. Seul mais à plusieurs quoi. Oui, non mais c'était pas violent, c'était pas côte une tournante, côte, hein. C'était sympa. Non mais voilà. Oui, parce que c'est lorsque j'ai aimé vraiment pour la première fois, c'était ensuite maintenant je ne joue qu'à. Oui, ouais. Alors bon, ensuite bah, vous rencontrez le ministère Hammer, vous faites votre premier CD, première consultation, 1 million d'exemplaires.
Évidemment, beaucoup de problèmes. D'abord parce que les rappeurs, disons plus traditionnels, vous trouvent naze. Et c'est vrai que vous dites vous-même dans le premier CD, je suis dans la variété. Et c'est vrai que vous avez un style qui ressemble plus à, je dirais, qui est antillé un peu. Vous avez un style un peu antillé, comme Woolsey, comme Henri Salvador, quoi. Un truc un peu des îles. Ils pensent surtout que je me la raconte pas assez. Ouais. Il y a eu ce problème-là, il y a eu un problème, il y a une chanson où vous parliez des youpins, alors problème avec la lycra évidemment, parce que vous ne saviez pas qu'il ne fallait pas le dire. Problème avec M6 qui a interdit le clip Nirvana à cause du suicide de Colbert et Govois, aussi vite qu'Ayrton Senna, Je veux atteindre le Nirvana. Vanessa Paradis qui n'a pas très bien réagi à la chanson Vanessa, mais le disque a eu un succès considérable, et ça a été considéré comme, moi je vous l'ai toujours dit, comme un disque excellent, c'est un des meilleurs disques en français qui soit sorti depuis très longtemps. J'espère, mais... Mais il y a eu après le deuxième CD, C'est beau la vie avec Bernard Tapie. Alors, sur Tapie, vous avez une idée très particulière. Vous dites, pour nous, c'est l'espoir, le messie. On se dit, on peut s'en sortir. Je vends du shit et je veux faire comme Tapie. C'est-à-dire, ce côté gangster moderne chez Tapie, ça vous intéresse? Ouais, ouais. C'est surtout qu'on a fait ce morceau à un moment où il sortait de... prison. Oui. Ça vous a rapproché, ça. Je pense pas qu'il l'aurait fait. Je pense pas qu'il l'aurait fait autrement. Ouais. Quand il était superstar. Alors, vous avez aussi un côté très Mitterrandolâtre. Hein. Vous aimez beaucoup François Mitterrand. Vous dites, je l'aime encore plus depuis que je sais qu'il a des enfants illégitimes. Ça vous l'a rendu sympathique, ça, Mitterrand? Ouais, les affaires, ouais. Tout ce qu'on a appris ensuite à son sujet, ça me plaît. C'est un peu un gangster aussi. Ouais. Alors, vous avez effectivement pas mal de problèmes avec le fisc. Vous dites, je savais pas qu'on pouvait aller en prison parce qu'on n'avait pas payé ses impôts. Oui, oui, moi je pensais que... C'était une découverte pour vous, ça. Oui, je pensais qu'il y avait que les trucs genre le vol, les agressions qui t'emmenaient en prison. Ouais. Jamais j'aurais pensé que... Virginie, vous n'avez jamais expliqué ça. Que être un bon citoyen, ça pouvait emmener en taule. Vous avez tout claqué, en fait. Vous dites, j'ai claqué 200 000 francs en levrette. Oui. 400 000 pour me faire sucer, ça fait déjà 600 000. En une fois ou en plusieurs fois? En plusieurs fois, rassurez-moi. Quand il a touché le chèque la première fois, il a claqué 50 000 comme ça en une soirée. T'imagines son contact? Monsieur Gynéco, là, j'ai 500 000 balles de levrette, comment justifie ça? Justement, il n'y a pas de ticket. Ouais. Ben oui. C'est vrai qu'à un moment, sérieusement, vous avez eu des problèmes psychiatriques, vous avez eu besoin d'être suivi, c'est vrai ça ou c'est une légende? Il a encore le pansement. Non, c'est que quelquefois, je suis pas ponctuel. Je suis pas ponctuel, je me gare en double fil, je fume en zone non-fumeur, je suis fou. Heureusement, il y a l'amour. Vous êtes polygame, hein. Vous vous dites, de toute façon, je suis polygame, quoi. Difficile de pas être polygame quand on est doc gynéco en même temps. À toi, je le dis souvent. Mais oui, je suis pour la polygamie, je suis pour dans la vie aussi. Ouais. J'aimerais par exemple qu'il y ait ici une fille, mais sans plus qu'il soit. Parce qu'il y a des salons. Une grossesse? Oui, juste là pour le plaisir. Ouais. Vous préférez les femmes enfants, hein? Vous n'aimez pas les femmes mecs? Non, j'aime pas les icebergs, non. Mmh. La parité, c'est pas votre truc? C'est faux, ça n'existe pas. Ouais. Utiliser des femmes pour vraiment ce qu'elles peuvent apporter. Vous dites, je suis contre les meufs qui veulent pas prendre la bite de leur mec dans la bouche. Ben oui, parce que forcément, on va aller le faire ailleurs. Ouais. C'est un conseil que vous donnez aux femmes mariées, là, d'une certaine façon. Oui. Ben oui. On arrive à la fiche 69, voilà, zoom zoom mon garçon, zoom 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 zoom, fiche 69, les rôles sont inversés, c'est donc à vous de me poser une question, la question que vous voulez. Alors oui, quelle est la télévision chez eux, hein. Non, là ils sont en train d'évacuer la fumée. Alors Est-ce qu'il y a un message, à part un publicitaire, dans cette émission? C'est quoi la question? C'est quoi la question?
C'est pas celui qui n'a pas compris qui rit. Dis-moi quel est le message. Le message de cette émission, c'est que c'est la seule émission de télé où Madame de Fontenay rencontre Iggy Pop, voilà. C'est l'émission du mélange, ça te va? Ah oui. D'accord. Bien. Alors Doc Gynéco, vous êtes le client idéal pour une interview alerte rose, bien sûr. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien. Il a trouvé ça, ce connard. Tu vas voir les emails là-dessus. Ouais, c'est énorme. Un bon chat est un chat mort. N'oublie jamais le proverbe. Alors, Doc Gynéco, vous préférez draguer ou vous faire draguer? Draguer. Larguer ou vous faire larguer? Me faire larguer. Embrasser ou vous faire embrasser? Ça, je le fais vraiment, c'est réservé à une élite de filles. Moi, ça me brise le cœur. Il n'y a que 800-900 filles qui ont droit à la bille. Ah ouais. Vous préférez caresser ou vous faire caresser? Caresser. Moi aussi. Ouais. Quel est le lieu idéal pour faire l'amour? Attends, on n'a plus d'autres? Je pensais que vous préférez défoncer ou vous faire défoncer. Non, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est fini pour cette partie-là de l'interview, oui. Le lieu idéal pour faire l'amour? Un Porsche, sous un Porsche. Sous un Porsche. Le lieu où vous ne pouvez pas faire l'amour? Dans une Porsche. Oui. Est-ce que vous avez besoin de faire l'amour pour aimer ou d'aimer pour faire l'amour? J'ai besoin d'aimer pour faire l'amour. J'ai besoin de 50-50, mais 60... Il faut qu'il y ait un petit quelque chose, quand même. 60-40, ouais. 60 pour 69, le sexe, 31. 40 pour l'amour, d'accord. Vous préférez une femme qui baise bien mais qui est infidèle ou une femme qui baise mal mais qui est fidèle? Ah putain, je préfère une meuf. C'est des vraies questions, c'est des sujets du bac, ça. Alors, ils vont le donner au bac dans certaines... Oui? Ouais, je vais prendre la fidèle. La fidèle qui baise mal? Elle aimera ça, sûrement. Ah oui, d'accord. Vous la ferez changer d'avis. Oui. Une gonzesse, vous préférez qu'elle vous quitte pour un mec ou pour une fille? Pour une fille, ensuite je pourrais me faire... Est-ce que vous préférez être caressé par quelqu'un qui vous répugne ou battu par quelqu'un qui vous aime? Oui, le sadomaso, ouais, pourquoi pas. Mmh. Je suis pour le sexe et... et toutes ces diversités. Vous préférez une fille qui couche avec un autre en pensant à vous ou qui couche avec vous en pensant à un autre? Je préfère une fille qui me demande de l'appeler salope, pute, ouais. au ouais. lit, plutôt qu'elle pense à un autre. Enfin, dans la vie, j'appelle pas, de tous les jours, j'appelle pas les filles putes et salopes, mais au lit, elle me le demande souvent. Ah oui, c'est professionnel. Ouais, c'est un art, ça. C'est gynécologique. Tu crois que tous les gynécos, ils appellent leurs patientes comme ça? Bien sûr. Bien sûr, non. Je sais pas si t'es bien renseigné. Quand on était petits, on voulait tous faire gynéco, finalement, c'est lui qui l'a fait. Vous préférez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec une fille moche ou juste embrasser sur la bouche une fille sublime? Moi, je préfère la moche. Est-ce que pour vous, embrasser, c'est tromper? Ouais, c'est grave. Si votre meuf embrasse un autre mec, vous considérez qu'elle vous trompe? Avec le recul, ouais, ça peut faire mal. Mmh. Doc Gynéco, est-ce que sucer, c'est tromper? Si elle l'a bien fait, comme je la prends. Magnéto, Serge. Si elle l'a bien fait, c'est moins grave? Si elle l'a bien fait, c'est grave. C'est réservé à une élite de mecs. si elle l'a fait comme ça et comme ça... Non. Le Gynéco, Polydistrict, son nouveau et troisième CD avec Caramel pour le single et Souverain, le deuxième single. Et maintenant, mesdames, messieurs, voici Fabrice Luchini. Oh.
Fabrice Luchini, bonsoir. Bonsoir. Beaucoup d'emails pour vous. À quand une nouvelle prestation de Fabrice Luchini sur le plateau de Tout le monde en parle? Par exemple, Delphine Guillaume de Paris me dit, dès qu'il apparaît sur l'écran, mon cœur se serre et mes jambes s'écartent. C'est incroyable. Non mais c'est vrai, non mais... c'est incroyable. Alors donc, bonne occasion de vous revoir à l'occasion de la reprise de L'Arrivée à New York, qui est donc la partie américaine du Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, au théâtre de la Gaîté Montparnasse, 26 rue de la Gaîté, qui avait été joué jusqu'en avril 2001 et qui reprend maintenant jusqu'à quand? Jusqu'en juillet. Bien. Vous savez comment on fait, Fabrice? La publicité. Merci. Vous êtes très gracieux, ça me fait plaisir, c'est pas comme d'autres, connard. Bien. Alors, L'Arrivée à New York, ça se situe où dans le bouquin, dans Le Voyage au bout de la nuit? C'est le troisième, il y a la guerre de 14, il y a l'Afrique, il y a l'Amérique. Oui. Et le 11 juillet, cher Thierry, je fais l'intégrale. L'intégralité, le 11 juillet à la Gaîté Montparnasse, la période américaine et l'installation du docteur Destouches à la Garenne Rancy, c'est 3h20 de spectacle, plus une prolongation, ça va dans les 4 heures. Quoi. Ouais, 4 heures alors, bon, bah, quand on voit le spectacle, effectivement, première phrase, c'est New York verticale. Figurez-vous qu'elle était debout, leur ville, absolument droite. Absolument droite. New York, c'est une ville debout. Oui. Ah mais c'est très beau. Ça a été écrit en 1928. Il faut aller voir Fabrice, c'est une très bonne façon de rentrer dans Céline, c'est d'aller voir Fabrice restituer les... J'ai Beaumarchais chez moi. Ouais. Il a la vidéo de Beaumarchais. Tiens, pas mal. Hein. Description aussi des chiottes de New York est incroyable. C'est comment? Toutefois, à un moment donné, le policeman du milieu de la chaussée, posé comme un encrier, se mit à me suspecter d'avoir des drôles de projets. Voilà, c'était visible. Où qu'on se trouve, dès qu'on attire sur soi l'attention des autorités, le mieux est de disparaître et en vitesse, pas d'explication. Au gouffre que je me dis à droite de mon banc, s'ouvrait précisément un trou large, à même le trottoir dans le genre du métro de chez nous. Ce trou me parut propice. C'est une telle beauté. Ce trou me parut propice. 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 Eh oui. Ah, il fallait le voir, le spectacle. Hein. Et puis Molly, qui fait quand même un tiers du spectacle. Un tiers. Ouais. Le plus poignant de ce qui a été écrit, à mon avis, dans... Indépassable. Indépassable. Ouais. Ce qui est extraordinaire. La Fontaine, peut-être. Ouais, peut-être, oui. François Villon. Hum. Non, ce qui est extraordinaire dans votre spectacle, c'est que vous ne dites pas Céline, vous ne le lisez pas, vous ne le récitez pas, vous le restituez. Ah, c'est Céline. Ah, d'accord. Quand on arrive vers ces heures-là en haut du pont Colincourt, on aperçoit au-delà du grand lac de nuit qui est sur le cimetière les premières lumières de Rancy. Rancy, c'était Clichy. Les premières lumières de Rancy, c'est sur l'autre bord, Rancy. Faut faire tout le tour pour y arriver, c'est si loin. Alors on dirait qu'on fait le tour de la nuit même, tellement il faut marcher de pas autour du cimetière pour arriver aux fortifications. Et puis, ayant atteint la porte à l'octroi... Mais comment tu fais pour la mémoire? C'était une panne bleue. J'ai essayé de faire une intervention du quartier. Oui. Il a un secret, il fume pas de bœuf. Pont Colincourt, 18e. Déjà, bon, vous êtes du même quartier au départ. Oui. Hein. Sauf que lui, il est... Je suis né rue Custine, au métro Château Rouge. Voilà. Ah bon? Bien sûr, j'y habite. Il n'a jamais renié la rue d'Henri Moi, j'y habite. Moi, j'y habite. T'es plus fort. Voilà. Vous restituez, Céline, plutôt que vous le dites... Oui, il faut essayer de restituer. Alors, la difficulté, c'est d'essayer de ne pas restituer les mots. Oui. Ce qu'il faut essayer, c'est de comprendre, enfin de comprendre, pas tellement de comprendre, c'est essayer d'être en coïncidence avec l'esprit qui a été à l'impulsion d'une phrase. C'est une ambition qui est énorme. Qu'est-ce qui s'est passé quand Rimbaud a écrit « Aller retrouver quoi l'éternité ?» Alors le mec peut le dire, hein, peut le faire. Peut on peut le réciter tant qu'on veut, si on comprend on peut pas, dire, aller retrouver quoi l'éternité. Tu vois, on peut tout dire. Comment il l'a, lui, éprouvé. Voilà. C'est un projet bizarre. La restitution. Voilà, c'est une phrase magnifique de Jouvet. Le problème de l'acteur, c'est la restitution. Voilà. Alors souvent, vous reprenez des phrases. Vous reprenez des phrases. Vous reprenez des phrases jusqu'à ce que le public les ait bien comprises. Je reprends des phrases parce que d'abord, j'y suis pas tout le temps et j'essaye, comme un musicien, d'essayer de retrouver. J'ai la chance d'avoir la liberté d'essayer de me dire, tiens, là, j'ai chargé. Ouais. Et puis, c'est tellement étonnamment beau qu'il ne faut pas se laisser aller qu'à l'histoire.
Vous réagissez quand il y a quelqu'un qui tousse dans la salle, par exemple? Si je sens que c'est une toux qui n'est pas affirmative, je l'intègre en me disant « elle a un problème de toux, cette personne, donc au contraire, je suis plein d'amour, au contraire, enfin plein d'amour. » Si je sens une toux arrogante, la toux, ouais, j'ai payé 220 balles et je t'emmerde, je vais t'emmerder ton spectacle, là, je peux arrêter, puis je peux lui dire « c'est embêtant. » Il y a des apartés, il y a des incidentes. Pas tout le temps. Ouais, pas une, une fois Bouquet, Michel, l'acteur, le grand acteur français, enfin le plus grand acteur français, jouait une pièce de Félicien Marceau. J'essaye de l'intéresser, mais ce qu'il me donne pas du tout de sensation. Il faut dire Sophie Marceau pour l'intéresser. Je sais, pourtant. Félicien Marceau, c'est un auteur de théâtre, et puis Michel Bouquet jouait une pièce qui s'appelait L'œuf. Oui. Et alors, il sortait d'un œuf. Et pendant quelques minutes, il ne disait rien. Tu sais, il était immobile comme ça. Et le public est tellement plus habitué à être très discret dans le théâtre qu'il y en a qui disaient « il a vieilli !» Ah bon ? Mais qui veut créer une atmosphère totalement multiraciale, tu sais. Sorte de « touche pas à mon pote », une incarnation languienne de la réalité. C'est la semaine de la fête de la musique en même temps, voilà. C'est normal. Non, ce qui est plus incroyable, sérieusement, vous êtes un acteur de cinéma très bien payé, vous gagnez beaucoup d'argent quand vous faites un film aujourd'hui. C'est énorme. Et vous êtes là à faire découvrir Céline à des gens dans un théâtre qui n'est pas très grand. C'est un... Non, mais c'est quoi? C'est un sacerdoce, non? Je sais pas, vous pourriez être à Deauville, à Saint-Tropez, à l'île Maurice. Il faut avoir une grosse... Avec des blondes décolorées, des hors-bord, mais il faut avoir une énorme capacité... Enfin, il faut être très fort pour savoir être à Deauville ou en vacances, psychiquement. Il faut avoir un état psychique supérieur à la moyenne. Moi, je trouve que c'est surtout les gens qui ne travaillent pas qui devraient être récompensés parce qu'il y a un courage. Ouais. C'est un courage énorme. Ouais. Parce que ce divertissement dont parle Pascal, Doc, ce mécanisme du divertissement dont parle Thomas Bernhardt, Thomas Bernhardt est un Autrichien, un auteur formidable qui écrit des livres uniquement musicalement. Voilà. Tu connais pas du tout Thomas Bernhardt, le neveu de Wittgenstein. C'est très beau, c'est sur Glenn Gould. Voilà. Est-ce que tu fais le jeu des sept familles là, Est-ce que tu connais le Glenn Gould? Oui. J'ai connu un Allemand. Non mais vous connaissez Glenn Gould? Glenn Gould, le plus grand pianiste du monde. C'est pas le cousin Barbara Gould. Et moi, imperturbable, je continue mon interview. Non, sérieusement, il y a quand même... C'est un sacerdoce, ça, non? Non, c'est un plaisir d'avoir... Oui. Je ne saurais pas être capable d'être... mais fut un tarpé en se doux pour laisser errer mes pensées en errant boulevard Maine, une histoire de 18e, inquiétant et anxiogène. Moi, ça m'angoisse, je ne pourrais pas, j'ai besoin de travailler. Ouais. Et le métier d'acteur, si on n'a pas la chance d'avoir la scène, qui est l'endroit où on est anobli, où on est au service de quelque chose de sublime, je ne vois pas qu'est-ce qu'on va faire toute la journée. Enfin, je n'ai pas d'aptitude énorme dans l'existence, sauf que de me dire, le matin, je vais essayer de jouer. Il y a donc un plaisir dans la 16. C'est un plaisir d'essayer d'améliorer le morceau, comme a dit Guitry. La seule chose qui est formidable dans le métier d'acteur de théâtre, c'est qu'on se dit que demain, on jouera peut-être un tout petit peu mieux que la veille. C'est pas de moi, c'est de Guitry. Vous avez rencontré l'œuvre de Céline dans le quartier des Abbesses auprès d'un prêtre, Jean-Claude Barrault. Jean-Claude Barrault, il s'occupait des coms. Tu l'as connu, Jean-Claude Barrault? Bon, non, il est trop neigeux. Jean-Claude Barrault, qui était un type très beau. Très beau, il avait une tombeau. Il avait une sublime moto. Et c'est encore un ami, on a dîné ensemble. C'était le prêtre des vrais voyous, ceux qui tuent des gens, pas ceux qui mettent le feu aux voitures. Voilà. Parce que le 18e, avant d'être devenu un endroit branché, moi qui ai 50 ans, je peux en parler, c'était un endroit extrêmement difficile. Les Abbesses, c'était pas du tout un endroit où il y avait de la mode et tout ça. C'était pas la Bastille, les Abbesses. C'était un endroit où. Angoissant, magnifique. C'est cette merveilleuse phrase de Dostoïevski, Dog Gynéco, qui parle, tu sais, d'un très beau livre qui s'appelle La Maison des Morts. Ah, c'est un que j'ai pas eu le temps de lire. Ouais. Alors, Fabrice, quand on vous parle évidemment des écrits antisémites de Céline, vous dites: je ne veux pas être l'avocat de Céline, je défends son style, pas ses idées.
Et ce qui explique finalement, vous dites, son antisémitisme, c'est son dégoût de soi-même, c'est sa façon de l'extérioriser. Oui, il y a des choses plus riches à dire qui ont été dites. En plus, moi, l'œuvre qui m'intéresse, c'est les deux premiers livres. Donc, c'est 1932 et 1934. Après le Céline, après À part féerie pour une autre fois, je ne suis pas comme certains grands intellectuels qui aiment mieux Nord d'un château l'autre, ça. Donc, les problèmes politiques sont arrivés en 30... Je crois que les premiers pamphlets assassins sont arrivés... Assassins, oui, des pamphlets, oui. Quoi, des pamphlets. Oui. Où il met en cause des êtres, enfin, des professions de foi, des trucs... Ceci dit, la haine, elle est totale hein, chez Céline. Elle est autant du... Elle est totale, elle est globale. Alors, évidemment, elle s'est fixée sur les juifs et les protestants, mais elle est globale. Moi, mon truc, c'est que j'aime le chef-d'œuvre. J'aime pas... L'individu m'intéresse moyennement dans la mesure que ce qui me plaît, c'est l'effort littéraire de l'œuvre. Ouais. C'est pour ça qu'on... Quand j'étais adolescent à 22 ans, quand j'ai eu Le Voyage au bout de la nuit dans les mains et que j'ai appris qu'il n'était pas un mec bien... Ça a été tragique, tu sais, c'était, t'es dans une sorte de... T'es un peu un rimbaldien, t'es adolescent, tu voudrais aimer, adorer. Et tu te dis, c'est pas possible que ce génie-là a pu être cet homme-là. Donc tu refuses. Puis un jour, tu lis les livres, tu lis. Et pendant des années, tu te dis, c'est pas possible d'aimer quelqu'un qui est comme ça. C'est comme une... Et à un moment, tu, après, avec la maturité, tu te dis que l'œuvre est une chose et puis que l'individu en est une autre. Oui, vous dites que la littérature n'est pas nécessairement associée à de nobles sentiments, effectivement, en ce qui concerne Céline, peut-être le cas. En tout cas, elle n'est pas liée aux bons sentiments, non. Ce manuscrit du voyage qui a été vendu 11 millions de francs, vous l'avez eu entre les mains quelques heures. 12 millions avec les frais. Avec les frais, vous auriez aimé l'acheter. Tu l'as dit à 4 millions, toi. Non, je montais psychiquement, mais j'aurais jamais pu. Mon épouse était là, j'aurais jamais pu faire le moindre truc. Elle n'a pas arrêté de me dire, quand ils ont commencé à monter, elle disait « ne bouge ». Ne bouge pas. Et je l'ai eu dans les mains une journée entière et je vais le lire à la Bibliothèque Nationale. Ah oui, puisque ça a été finalement préempté par la Bibliothèque Nationale. Vous faites en ce moment une campagne d'information à la télévision pour les économies d'énergie. Alors 50% de la consommation d'énergie et d'émissions de gaz carbonique est due aux particuliers, c'est ce qu'on apprend dans cette campagne. Vous faites ça pour gagner de l'argent ou parce que vous croyez qu'il faut préserver la planète? Bah, d'abord, il faut le faire parce que c'est un projet qui était bien écrit par un publiciste admirable qui s'appelle Monnier Nicolas. Et évidemment, je ne l'aurais pas fait gratuitement parce que je l'aurais moins bien fait. Il ne faut surtout pas faire les choses gratuitement. Parce que c'est ça qui est merveilleux dans l'argent, c'est que ça enlève le problème de la dette. Pourquoi les gens vont voir les teubs en se doux? C'est parce qu'il n'y a plus d'affect, il n'y a plus un projet sur toi. On ne t'entame pas, puisque tu payes, personne n'est lésé. C'est parce qu'ils sont en manque d'amour. Pas du tout, ils en ont trop d'amour, trop. T'es sûr? Mais évidemment. Monsieur Doc Généco, quand vous avez un rapport affectif avec une jeune femme, elle peut investir sur vous. Elle peut espérer. Ouais. Et comment vous vivez le fait que vous êtes un voleur? Je la largue sans parachute. Et comment se passe le problème de votre conscience au niveau moral, tout simple? Il fume. Parce qu'en réalité, vous êtes un moraliste. Il y a une très belle phrase de Proust. Je garde toutes mes maîtresses éternellement. Je vais vous dire un truc. Un jour, il y a Proust qui se promène dans la rue, dans un bois, et il monte sur un arbre, et il voit deux jeunes filles faire l'amour, et il monte dans l'arbre pour observer avec intensité Proust. Et à un moment, une des deux jeunes filles dit « Tiens, avant de jouir, je voudrais mettre la photo de mon père ». Et Proust dit cette phrase extraordinaire, comme cette femme devait être morale. Enfin, Je te laisse là-dessus, tu peux rester. Tu peux rester, je t'en prie. Comme cette femme devrait être psychanalysée. J'aimerais passer une soirée entière avec Doc Gynéco, vraiment élaborer cette aptitude à la jouissance qui me fascine. Comment on peut être à ce point libéré de ce qui nous empêche de vivre? Cette image de Doc Gynéco, prêt à jouir, prêt à avoir beaucoup de maîtresses, n'ayant aucun problème moraux, ça c'est une merveille. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien, interview mensonge, Fabrice Lucchini. En fait, Fabrice Lucchini, ce n'est pas votre vrai nom. Votre vrai nom, c'est Fabrice Le Teilhac d'Argence. Et ça explique d'ailleurs beaucoup mieux votre personnage que votre histoire d'enfance dans le 18e arrondissement. Vous êtes en fait d'une famille de nobliaux provinciaux, du côté de Bordeaux, qui était ruinée par l'abolition de l'esclavage.
Et votre mère était en fait dingue de théâtre. Et un jour, après la guerre, elle monte à Paris. Elle va voir Louis Jouvet sur scène. Elle a une aventure avec Louis Jouvet, dont vous êtes le fruit, Fabrice Lucchini. Ce qui a été pour moi d'abord un référent écrasant, puisque c'est de toute évidence... Drôle de père, hein. Bah oui, c'était un mec qui a été très influencé par le Living Theatre, qui a un peu précédé de montrer sa teub, de s'épis sur le blic-pu. C'est un mec qui a été vraiment un mec, c'est un rebelle, tu vois, un rebelle, Jouvet. C'est, les gens n'ont pas bien compris que Jouvet, c'était la transgression, la liberté. Il dit avant d'entrer... Il a été docteur à un moment. Il a été... Oui, ah non, mais là, toi, tu n'as pas le droit de le dire. Oui, enfin. Alors, votre enfance a été assez solitaire. Votre père ne vous aimait pas parce qu'il savait que vous n'étiez pas de lui. Et en fait, votre seule obsession pendant votre enfance, c'était l'argent. C'est-à-dire ce qu'il procure surtout, les filles, la drogue. Et pour avoir tout ça, vous décidez à ce moment-là de monter une chaîne de salons de coiffure. Comment vous est venue cette idée? Parce que c'était bien avant Magnati. Ah, j'avais... Bien avant Magnati, c'est de Sange. Hein, ouais. Il y avait une mode qui s'appelait le brushing. Ouais. Et j'ai été, grâce à la mise en pli, et grâce à la transgression de la mise en pli, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, la véritable révolution, c'est qu'on a abandonné le rouleau. Vous savez, Doc Gynéco, que les femmes mettaient des rouleaux avant, des rouleaux chauffants. Voilà. Donc c'est le brushing, en fait, qui a fait votre succès. C'est le brushing qui a fait un succès en fait, énorme. C'est une chaîne de salons de coiffure. Il y en avait dans toute la France à l'époque. Ouais. Alors vous avez été milliardaire à l'âge de 20 ans. Et... Ah oui, absolument. Et gagné par l'atavisme, vous faites du cinéma et du théâtre. C'est-à-dire, vous commencez à vous financer vous-même votre propre carrière. Oui, parce qu'il y avait un refus, vu la puissance du père, il y avait un refus de m'intégrer. Ouais. Donc, il a fallu me faire un prénom. Ouais. Et là, bon, vous n'avez pas le talent de votre père, c'est clair, hein? Non. Bon. Donc, vous produisez vous-même toutes sortes de navets à l'écran, de beats sur scène. Mais vous en foutez. Oui. Peu vous chaud, un peu me chaud, vous dites. Oui, parce que obsédé par le pouvoir financier. Ouais, c'est ça. Vous dites, je suis pas bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai l'argent, je peux me permettre finalement de me payer ces films pourris et... Mais une sorte de cynisme haineux sur l'humanité. Ouais, c'est ça, un dégoût total du genre humain. Ouais, bah quand t'as un père qui te reconnaît pas. Ouais. Vous avez une limousine avec les vides fumées, des gardes du corps pour vous allumer vos cigarettes. Surtout quand vous trônez dans votre restaurant, vous avez ouvert près des Champs-Élysées, chez les riches. Pourquoi avoir ouvert ce restaurant? Et pourquoi l'avoir appelé comme ça? D'ailleurs, chez les riches, c'est un peu... Bah parce que Jean-Claude Brialis, Maïn ont des restos, et je me suis dit, pourquoi j'aurais pas un resto moi aussi, quoi. Ouais. Mais vous y dînez des fois dans ce restaurant? J'y dîne beaucoup, oui. Ouais. Et ça vous plaît, ça? Je pratique la macrobiotique, donc il y a deux sections dans ce restaurant. Oui. Il y a la section très viande, et puis il y en a une où on mange le régime conseillé par Oshawa. Ah bon? C'est-à-dire 70% de céréales et 30% de légumes. Et on mâche 50 fois, vous savez, que le minimum pour la macrobiotique. Pour atteindre ce niveau qui est assis paisiblement, sans rien faire, l'herbe croît d'elle-même. Je te la répète. Assis... Ça va lui plaire, ça. Assis... paisiblement, sans rien faire, l'herbe croît d'elle-même. La bœuf pousse toute seule. Fabrice. Oui. Vous avez l'intention d'ouvrir une boîte échangiste au sous-sol de ce restaurant? Faut que je fasse un travail d'acteur énorme, là. Attends. J'ai l'intention d'aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il faut essayer de donner aux gens l'envie de moins en moins s'investir. De leur faire croire de plus en plus à cette image du plaisir constant. Il n'y a pas de solution, ni dans le travail, ni dans la passion. La passion, tout ça, c'est l'important dans l'existence. C'était totalement cool, parce que quand je suis arrivé à Ibiza, dans les années 70, tu vois, toi, tu ne sais pas tout ça, mais à Formentera, les gens fumaient des tarpés de 17 mètres. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens pensent que tout est nouveau, mais si un jour tu as la chance de lire les grands textes de Cocteau sur le dérèglement des sens, si un jour tu as la chance de lire Rimbaud, il y a une... Vous passez toutes vos vacances en Thaïlande. Oui. Et vous dites, c'est ma façon de participer au développement économique du pays. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et alors... Contrairement à vous, on ne Comment connaît... Ça m'angoisse, moi, cette histoire. On ne connaît... Non, mais il y a marqué en dessous l'écran, oui, je te vous êtes sûr? Ah bon? Tiens, encore un gadget. Il arrête pas de se marrer. Reste là, qu'on profite. Vous avez, contrairement à Doc Gynéco, on ne vous connaît aucune liaison fixe, sauf Valérie Caprisky.
On vous a vu sur le hors-bord d'Arthur à Saint-Tropez l'été dernier avec Valérie Caprisky. Il y avait Eddie derrière, ouais. Eddie Barclay. Ouais. Il y avait... Il y avait Carlos. Colaro. Il y avait Carlos et surtout l'épouse de Carlos avec qui j'ai commencé dans mon entreprise de coiffure. Voilà. Où elle était manucure, voilà. Elle s'appelait... Mimi. On y vient. Elle voilà. S'appelait Mimi. Voilà. Je l'ai rencontrée au Flore avant-hier soir. Et vous avez pensé à épouser Valérie Caprisky à un moment? Bah, quand je l'ai vue dans le film sublime L'année des méduses, j'ai été assez bouleversé, oui. Alors... Question drogue, vous avez plus tellement de problèmes, vous avez tout arrêté, hein, Fabrice Luchini, vous avez arrêté le Valium. C'est bon. Il y avait le homard, il y avait le chat, comment tu t'appelles ? Stéphane. Et maintenant, il y a Stéphane, maintenant. Très bon instinct de Laurent Baffy, parce que quand même, rire autant spontanément. Vous avez arrêté le Valium, vous avez arrêté le Prozac, vous avez arrêté le Petrus, les Marlboro, reste l'héroïne, mais enfin bon, ça fait... Oui, mais bon... On s'y fait très rapide. Bah oui. Vous dites l'héro, c'est la meilleure parce que c'est la plus chère. Hein? Non, bah, c'est-à-dire que la cocaïne entraîne à une speederie interne, alors que l'héroïne entraîne à une volupté très calme. Oui. Ouais. Politiquement, vous êtes proche des libéraux, hein, vous êtes, on pourrait le dire, madeliniste. Hein. Votre devise, c'est un peu que les meilleurs gagnent et les autres, on s'en fout. Ce qu'il y a de formidable dans le courant libéral, c'est qu'il n'y a pas de projet existentiel. Non. Il y a juste un rendement efficace et une sensation de liberté. Il n'y a plus cet État qui vient ouvrir les portes pour assister. Il y a une sorte de conviction de re-responsabiliser l'individu. Alors que les tentatives du lendemain qui chante étaient toujours sortes d'espoir qui ont toujours donné une sorte de déréalisation. Je voulais dire, finalement, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions, finalement. Oui, je pense que le courant libéral dont vous avez parlé a au moins cette vertu, c'est de redonner une impulsion, et puis tous sont tellement sexy. Ouais, ouais. Tous ces merveilleux hommes de politique sont de donner une envie de vivre. Ouais. Ils incarnent en plus. Pour finir, on va passer à vos convictions philosophiques très arrêtées. Hein. Vous dites Dieu n'existe pas parce que je ne l'ai jamais vu. Oui. Enfin, il y en a d'autres qui l'ont dit mieux. Hein. Ouais. Vous vous rappelez, âgé de 30 ans, Zarathoustra quitta son pays et le lac de son pays. Il se leva un matin et il dit au soleil, qu'est-ce que tu serais si tu ne nous avais pas pour nous éclairer ? Alors voilà, je suis comme toi, j'ai besoin que des mains se tendent. Et Zarathoustra descendit de la montagne, où il était resté 15 ans, pour trouver la sèze. Et il rencontre un vieil homme, et le vieil homme a regardé Zarathoustra et a dit, mais je reconnais cet homme ! Il y a 15 ans, cet homme a apporté ses cendres à la montagne, tu veux porter maintenant ta flamme aux hommes ? Ne connais-tu pas le châtiment promis aux incendiaires ? Écoute bien. Ne connais-tu pas le châtiment promis aux incendiaires ? Et le Zarathoustra répond, mais moi, j'aime les hommes. C'est pour ça que je redescends vers eux. Tu vois ? Tu imagines, tu vois la situation, tu la sens la situation. Arrête, il va pleurer. Là. Et après, le vieil homme a dit, mais moi, j'aime les hommes en aimant Dieu. Et comment tu aimes Dieu ? A demandé Nietzsche. Eh bien, moi, j'aime Dieu en chantant avec les ours, etc., etc. T'as Rome, Assus, les ours, tu vois, en chantant avec les ours. Et tout d'un coup, ils se sont quittés. C'est la fin du premier chapitre de Nietzsche. Et tout d'un coup, Zarathoustra s'est arrêté sur une pierre et il a dit « Ce vieil homme ne sait-il donc pas que Dieu est mort ?» Je t'embrasse très très fort. Fabrice Luchini, merci. Bonne journée. Merci Laurent. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Alors nous avons reçu la semaine dernière la Miss France de l'année, Élodie Gossuin. Beaucoup d'emails pour elle. Ce soir on a une autre Miss France, elle balance pas mal dans son bouquin. Ne m'appelez plus jamais France. Voici Sophie Thalmann. On aura fait toutes les Miss France. Ouais, je vois ça, je suis la dernière à passer. Ah non, mais vous êtes la mieux jusqu'à maintenant. Ah non. Non, vraiment. J'ai dit ça à toutes les Miss. Ah non, pas du tout. Ah non, non, même que t'as embauché. Ah non, 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 j'ai pas dit ça la semaine dernière, j'ai pas dit ça. Si, Linda, bien sûr. Linda, ouais, c'est vrai. Ouais. Linda, si tu nous regardes. Reviens. Non, j'ai pas dit ça. Bien, vous êtes grande. 1m81. 1m80, et dès la 6e, on vous a surnommé la girafe.
Ouais, girafe ou grande guediche, que des mots sympas. Que des mots sympas. Puis les oreilles aussi, là on les voit pas, mais vous avez les oreilles en feuilles de chou. Peut-être pas feuilles de chou, hein, légèrement décollées, et j'ai jamais voulu les faire recoller parce que j'ai très peur. Mmh. Voilà. Comme Danny Boone, quoi. Ouais. Vous les montrez, vos oreilles, là? Vous voulez que je les montre? Ouais. Attention, Serge. Ah oui, oh ben ça va. Oh ben c'est des belles oreilles, ça va. Ouais, quatre. Alors, ce qui est beaucoup plus étonnant, Thierry, ce qui est plus étonnant, c'est les seins. Oh, vous les montrez, les seins? Non. Bien, en tous les cas, Madame de Fontenay a dit, en parlant de vous, dans l'histoire des Miss France, il y a un avant et un après Sophie Thalmann. Vous avez marqué l'histoire des Miss France, d'après Madame de Fontenay. D'après elle, oui. Et vous aimez beaucoup? Oui, moi aussi. Alors, d'abord, elle est lorraine, comme vous, Geneviève, ouais. Hein, ce qui est déjà, ça crée des liens. Et puis, vous, vous êtes parisienne. Alors, parisienne, ça ne veut pas dire parisienne quand on est enrhumé. Ça veut dire quoi, parisienne? La ville de Paris, en Italie? Non. Bar-le-Duc. Bar-le-Duc. Ça fait rêver, hein. Baffi zéro. Donc, bah oui, vous étiez Miss Lorraine, et puis un jour... Magnéto, Serge. Et Miss Lorraine. Première dauphine, Miss Martinique. Miss Lorraine, félicitations. Sophie Thalmann, Miss Lorraine est devenue Miss France. C'était le 13 décembre 1997 à Deauville. La famille Thalmann au complet était là, 1000 francs par personne. Oui, spectacle et dîner compris. Voilà. Ouais. Il y a eu cette fameuse réplique, effectivement historique, dite à Jean-Pierre Foucault qui riait jaune. Je vais prendre votre place, quoi. Ouais. Hein, et cette phrase, vous dites, mais sortie de la bouche toute seule. Vous êtes sûr de ça? Magnéto, Serge. Bonsoir, Miss Lorraine. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Sophie. Qu'est-ce que vous faites, Sophie, dans la vie? Je suis en licence audiovisuel. Vous allez prendre ma place? Oui, j'aimerais bien. Voilà, donc, c'était pas tellement improvisé, finalement. Je ne m'en souvenais absolument pas. Bon. À la limite, je me demandais si c'était vraiment moi. Je ne m'en souvenais absolument pas de cette répétition-là. Vous êtes revenu au moment où vous avez eu la couronne. Ouais. Laura Belle. Va voir le bouquin, s'il te plaît. Merci. Bien. Ça s'appelle « Ça fait quoi d'être Miss France ? L'envers du diadème ». C'est chez Michel Lafon. Tout est raconté. C'est des notes que vous avez prises durant l'année où vous étiez Miss France, sur votre vie de Miss, une espèce de journal intime. Vous racontez tout, hein ? Ouais. Même les orgies chez Madame de Fontenay. avec des biscottes et des boîtes de thon. Et donc, en fait, ce qu'on découvre en lisant votre bouquin, c'est que toutes vos apparitions sont gérées par Madame de Fontenay et son fils Xavier, qui touche un pourcentage, en fait, sur ce que vous faites. Uh-huh. Voilà. Et ça commence, faut dire, très dur. Dès que Sophie a été Miss France, elle se retrouve au salon de l'ameublement, porte de Versailles, au stand Pirelli, les matelas Pirelli. C'est vrai que je quittais le livre du Bristol pour me retrouver sur un canapé et de temps en temps sur le lit Pirelli pour faire des photos. Ouais. Et pendant une semaine, il y avait tous les commerciaux et les clients qui venaient pour la photo habituelle, puisque chaque année, c'est vraiment le rituel. Quoi. Miss est là et... Il y a un deal annuel avec Pirelli. Voilà, il y en a même qui revenaient avec l'album en disant, vous voyez, j'ai déjà posé avec Patricia. Avec, voilà. Donc là, au stand Pirelli, vous gagnez... 13 000 francs d'une semaine, moi la commission de Madame de Fontenay, c'est pas mal quand même. Oui, bien sûr. C'est mieux quand vous étiez caissière chez Auchan. Ah, tout à fait. Dans l'année, ça fait quoi? Vous gagnez quoi une Miss France dans l'année? À peu près 500 000 francs, cadeaux, voyages, voitures compris. Hein. Donc c'est beau. Ouais.
c'est un bon boulot. C'est toujours quoi. Mieux c'est temporaire, gagnant. C'est le problème. Quoi. Ouais, ça dure un an, oui. Alors, il faut tout se taper en même temps. Il faut se taper les fêtes locales, les grands magasins, les foires gastronomiques. Alors, vous aviez tellement ras-le-bol... La fellation à l'adjoint au maire. Tellement ras-le-bol de bouffer, vous aviez déclaré que vous étiez végétarienne, c'est ah, vrai. Ah ouais. Et oui, il y a un moment, il fallait arrêter. Bah, le pire, c'est qu'on nous demandait de tenir d'avoir la ligne tout le temps, de rentrer dans les vêtements. Et du matin au soir, c'était... Pas du gavage, mais presque, c'était de plus en plus dur. Quoi. Donc je suis humaine, et si je ne fais pas de sport, et si je mange comme ça, forcément, je prends du poids. Bien sûr. Et les photos dédicacées, les bisous, et les mains baladeuses. Et oui, parce que de temps en temps, on nous prenait comme ça, et tout, et hop, ça repasse, voilà. T'as compris. Ils touchent quoi en premier, les gens? La taille. La taille. Voilà. Après, la taille, ils réfléchissent, ils montent aussi, ils descendent. Il y en a qui vont directement au cul, direct. C'est arrivé... Une ou deux fois, c'était le soir de la Coupe du Monde. C'est marrant parce qu'on s'est croisés ce soir-là, j'ai pas eu le réflexe de toucher. Et puis il y a les sourires aussi, faites-moi le sourire Miss France. Là. Ah. Et voilà. Tout va bien. Bien, alors pendant un an... J'ai fait une pub pour le dentifrice après. Ouais. Ça m'a servi. Pendant un an, vous représentez le charme et l'élégance de la beauté française, c'est comme ça que ça s'appelle. Vous aviez un contrat? Alors... Ce qui est bizarre, c'est qu'on a un contrat. En fait, une semaine avant de participer au concours, il y a la photo organisée pour Télé 7 jours avec toutes les candidates, la fameuse photo. Et ce jour-là, on nous toise, on prend nos mensurations et tout ça. Et à la fin, on apprend que c'est le fameux contrat. Et on n'a pas de double. Et comme moi, j'étais loin d'imaginer que j'allais gagner, je ne l'ai pas véritablement lu. Ah ouais. Et, vous l'avez signé sans le lire, ce contrat. Je l'ai lu, mais je ne pensais tellement pas gagner et je n'ai pas eu de double. Donc après, j'ai découvert, justement. Vous avez découvert ce qu'il y avait écrit en tout petit en bas. Alors bon, dans votre bouquin, il faut dire que Madame de Fontenay n'est pas épargnée. Hein. Vous dites Geneviève. Bah oui, qu'est-ce que tu fais avec Geneviève? Oui, elle dit que, par exemple, c'est Big Brother. Tout est géré par fax. C'est-à-dire qu'en fait, elle sait toujours où vous êtes. Elle vous envoie des fax, tout ça. Enfin, c'est un peu Big Brother. Des kilomètres et des kilomètres de fax. Ouais, qui arrivent. Sans arrêt, tout le temps. Elle vous flique un peu, c'est ça que vous dites, quoi. Si vous partez un week-end avec un copain, elle sait où vous êtes, elle vous demande... Bien évidemment, mais Miss France est populaire dans la France entière, il y aura toujours quelqu'un qui lui dira. Alors vous dites qu'elle est radine, hein, vous dites que vous circuliez plus souvent en bus et en métro qu'en taxi. C'est vrai qu'au lieu de payer un taxi, elle préférait qu'on prenne le bus. J'avais un petit peu râlé et c'est vrai qu'à la fin, elle avait pris un hôtel en face de la gare de l'Est, Terminus Est, c'est pas les hôtels, mieux. C'est pas terrible, Et rien que d'attendre là-bas, j'étais mort de trouille, Donc je préférais encore prendre Un jour, vous êtes retrouvé dans un campanile qui donnait sur une zone industrielle aussi. Ouais, tout à fait. Ça fait rêver, Miss France. Ah ouais, c'est terrible. Quand non, tu mais il n'y a pas que ça. Non, mais bon. Ça, c'est... Le problème, c'est de se faire rembourser notre defray par Xavier de Fontenay. J'attends toujours, Alors bon, vous parlez de ce fameux dîner dont on a parlé avec Geneviève de Fontenay la semaine dernière, donc la boîte de thon, les biscottes, et vous dites du pain dont il était dur de donner l'âge. Ça aurait pu être une tranche de jambon, c'est pareil. Enfin, quand on n'est pas souvent chez soi, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose dans le frigo. Ouais. Bon, maintenant, elle savait que j'allais venir. Et, c'est rigolo de donner du thon à une miss. Mais j'aime bien le thon, c'était pas... Mais c'est vrai que j'avais très faim ce jour-là et il n'y avait que ça. Quoi. Alors, il y a les doggy bags aussi, vous racontez l'histoire des doggy bags. Alors, un jour, Geneviève, elle prend les restes d'une quiche, tu vois. Elle l'a dit Non, ce qu'elle n'a pas dit quand même, c'est qu'à Verdun, elle prend les restes d'une quiche. Et alors, quand elle n'avait pas de sac plastique ou de boîte, elle mettait directement dans son sac à main. Ouais, c'était Verdun en même temps. C'était Verdun. Oh, mais c'est des petites manies qu'elle a comme ça. Au début, ça surprend. Elle pique le sucre aussi. Quand on mange avec elle, Miss France, c'est le plus vieux métier du monde. Ça veut dire quoi, ça? Il te traite de pute, c'est pas grave. Moi, je crois. Vous avez fait de la peine à Geneviève. Mais non, elle me connaît. Magnéto, Serge. Je suis peinée parce que d'abord, j'étais très attachée à Sophie du fait qu'elle était Lorraine comme moi, que je l'ai encouragée la première année. Elle n'avait été que dauphine de Miss Lorraine. Je lui ai écrit pour lui dire, faut pas vous décourager, faut revenir. Elle est revenue l'année d'après. On a passé une année merveilleuse, comme toutes les Miss France. Et aller chercher des choses comme ça... Ah oui, non, là, j'en ai pris un coup. Ça, c'est dur, ça. Oui. C'est lamentable, parce que Sophie, je pense qu'elle nous doit tout. Si elle en est où elle en est, c'est par cette écharpe des Miss France qui lui a ouvert toutes les portes. Ah oui, elle dit aussi qu'on la met chez l'habitant parce qu'on ne veut pas payer l'hôtel. Alors, elle oublie la Messardière à Saint-Tropez, le Palais Metternich à Nice, le Bristol à Paris. Mais quelle ingrate. Non, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est derrière, là, parce que c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre.
quand même eu la Messardière à Saint-Tropez. Mais c'est dans le livre. Ouais. Je dis également que j'ai même dit que j'étais désolée d'y être seule parce que c'est la première fois que je dormais dans un lit baldaquin et c'est un peu dommage de se retrouver seule. Il n'y a pas d'échelle montantable. T'entends, mais non. Donc il n'y a pas que ça. Et puis il y a Xavier. Alors lui, Xavier, vous dites que c'est un goujat parce qu'il vous laisse poireauter à la gare pour attendre votre train toute seule sur le quai de la gare. Il ne vous aide pas à porter vos valises. Eh oui. Vous avez mis le doigt sur un grave problème. Là, vraiment, je crois que c'est un truc. La France est coupée toutes en deux. Toutes les semaines, hein, ça va être le feuilleton. D'un côté, les Fontenay, de l'autre côté, les Talman. La France est... La saga, voilà. La France est coupée en deux. Vous êtes expliqués tous les deux avec Xavier? Je ne veux même pas m'expliquer avec lui. Pourquoi? Xavier Le Fontenay, mesdames, messieurs. C'était vrai ou pas? Xavier, bonsoir. Vous allez enfin vous expliquer. Bon, alors, ce qu'on peut dire, Xavier, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que... Non, c'est vrai, c'est lui. Ah, oui. Ah mais... Je veux qu'à un moment, ce soit réglé cette histoire. Donc, si vous n'êtes jamais bien entendu avec Xavier, bon, ça, c'est pas. Ça arrive, hein, c'est pas. Ça, on ne refera pas l'histoire, hein, Xavier, là-dessus. Ouais. Vous n'êtes jamais bien entendu. Il y a des miss avec qui vous êtes bien entendu, des miss avec qui vous êtes moins bien entendu. Bon, ça, de toute façon, on ne refera pas l'histoire. Là, c'est une grande bon. Majorité, quand même. Il faut dire aussi que Xavier, une fois qu'il a couché, après, il se désintéresse un peu. Xavier, vous êtes un petit peu ridiculisé dans le livre, vous êtes un petit peu présenté c'est d'abord qu'on puisse dire, ouais. Comme le second de Madame de Fontenay, alors que c'est l'inverse. Alors vous dites, cherche pas à justifier ça. Oui, mais vous avez une phrase malheureuse en fait, excusez-moi, vous dites « Je suis le Bismarck du comité Miss France ». C'est une formule un petit peu malheureuse, parce que quand on parle de France, parler de Bismarck, oui, non, ça peut rappeler des mauvais souvenirs. J'avais parlé de Cavour aussi, oui. Ils ont mis Bismarck. Voilà quoi, vous dites que Sophie est une enfant gâtée, mais vous aussi vous êtes un enfant gâté, Xavier? Non. Ah, c'est votre mère qui le dit, Xavier. Ah, bah oui, mais elle peut le dire, mais c'est pas pour ça que c'est forcément vrai. Tu vas pas chier sur ta mère maintenant. Il faudrait que ça s'arrête un jour, cette histoire de vendetta. On est là pour réconcilier tout le monde. Mais on est là pour réconcilier la France. Non, mais ça. Alors, Xavier. Thierry, oui. Les problèmes qu'il pourrait y avoir entre ma mère et moi, ça n'intéresse pas. Bon, d'accord. Vous dites que c'est. Voilà, il plombe l'ambiance. Vous dites, c'est un mec qui est austère, il est un peu chiant, faut dire la vérité, Xavier. Il plombe l'ambiance. Disons que entre femmes, autant qu'on peut se prendre un petit peu la tête, ce qui était normal, parce que j'avoue que pendant un an, Madame de Fontenay a joué ma maman. Et je trouve ça tout à fait normal qu'on ait des petites accroches. Et c'est vrai qu'avec Xavier, ce qu'il me demandait de faire ne me plaisait pas forcément. Papa, tu voulais pas. Voilà, tout à fait. Attendez, c'était quoi? Non, qu'est-ce que vous lui reprochez le plus? C'est sincèrement. C'est de ne pas être suffisamment humain et de... Déjà, c'était la Talman, la Miss France 98, c'était jamais Sophie. On était vraiment une étiquette. Là, au début, vous la traitiez un peu comme un casse-croûte, comme un gagne-pain, non? Non, ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas ma façon de traiter les femmes en général. Mais ce que Sophie Talman ne supporte pas, c'est l'autorité en général. L'autorité n'est pas forcément agressive. Hein. Mmh. C'est de se plier à des règles. Bah, quand on est Miss France, il y a des règles. Oui, mais encore une fois, le règlement, c'est ce que je disais au début. Oui. Je l'ai eu entre les mains le temps de la signature et après, on n'avait pas de double. Donc ce règlement-là, je ne sais même pas trop ce que c'était. Ouais, non, c'est vrai, vous l'avez pas lu. Vous étiez tellement timide que vous ne lisez pas les contrats avant de les signer. Bah oui, mais en général, on a un contrat, on a un double. Il y a un double. Bah pourquoi je ne l'ai pas eu alors? Bah il y a un double maintenant, oui. Parce que le contrat a changé. Non. Voilà, prenons ce point particulier. Non. Sophie dit, j'ai signé un contrat une semaine, pour la photo télé 7 jours, une semaine avant le concours de Miss France, et je n'ai plus jamais eu de double. Mais elle avait le contrat, il était photocopié, il n'était pas en double, il était photocopié. Maintenant, il y a un double. Elle dit qu'elle ne l'avait pas. Il a changé le contrat d'ailleurs, il a un petit peu épaissi. Au vu de ce style de mes aventures, il a un petit peu épaissi, voilà. Bon. Donc, qu'est-ce que vous avez, vous, à reprocher de plus grave à Xavier? Mais moi, je ne veux pas parler de Xavier. Qu'on m'interroge sur Madame de Fontenay, c'est tout à fait normal. Xavier, je n'ai rien à dire, quoi. Je crois que tout est résumé dans le livre. Et, il y en a quand même beaucoup dans le bouquin, quand même. J'ai l'impression, peut-être que je vais dire une bêtise, j'ai l'impression que Sophie et Geneviève s'aiment bien dans le fond. Alors mais que ces deux-là se détachent, j'ai l'impression. Pourquoi? Je sais pas, c'est une impression. Moi, je marche au feeling. Moi, j'ai des points précis. Est-ce que c'est vrai que certaines fois, vous piquez la courage pour aller faire des animations sans Xavier et sans Geneviève? Attendez, faut déjà avoir le Castorama dans le Nord, on t'a vu. Faudrait déjà avoir... Arrêtez. Sophie. Faudrait déjà avoir le temps
J'ai résumé, sur 365 jours, une fois, il m'est arrivé d'aller rendre service à quelqu'un, c'est tout. Ah, maintenant, je ne dirais pas ce que les autres m'ont dit. C'était où le... Sans vous. C'était où, ça? C'était à Compiègne. Ah oui, oui. Voilà. C'est quand même une fois, quand même. Bah, écoutez, un petit une d'ailleurs, on ne répète pas toujours. Donc, qu'est-ce qui se passait? Elle piquait la couronne, elle allait faire... Bah oui, puis on découvre ça dans le journal. On découvre ça dans le journal, s'il y avait la couronne, il y avait tout, l'écharpe, toute la tribune Miss France. Et on découvre ça dans le journal, on dit tiens, vous saviez que Miss France est à Compiègne? Ben non. Je ne suis jamais allée sur n'importe quel événement en couronne, seulement pour les galas. Donc j'avais pas besoin de la couronne, et encore moins... Ah bon, bah alors le journal a menti alors. Mais là, et le délégué régional qui me l'a prévenu a menti aussi. C'est pas... Enfin, quand même, c'est important, Laurent. Vous avez l'air de... Tu penses à la semaine prochaine, toi. T'as envie que ça continue, le feuilleton. Enfin, en tous les cas, vous avez déclaré, j'ai connu 25 Miss France, et c'est la seule à nous renier ainsi. Bah oui, oui, ça me semble, oui. C'est la première fois. Oui, c'est la première fois, oui. Parce qu'il y en a qui osent rien dire, au moins, je le dis en face, ah, quoi, non, alors que d'autres se... Non, non, je pense que les autres oseront tout à fait le dire. C'est même insultant pour ce que vous dites là pour les autres Miss France. Il y a que vous. Mais je vois pas, c'est mon expérience à moi, Xavier. C'est mon année, chaque mois. Mais je vous ai très peu vu pendant cette année. Ouais, vous avez vu une dizaine de fois. Alors, si vous aviez toute l'année, vous auriez fait l'encyclopédie, un bouquin épais de 500 pages. Ouais. Xavier, pourquoi ne pas lui porter ses bagages? Oui. Pourquoi la laisser attendre toute seule sur le quai d'une gare? Parce que j'étais le paquet cadeau qu'on abandonne sur le quai. Xavier, pourquoi? Alors, écoutez, d'abord, il faut savoir que travailler sur l'élection Miss France, c'est un vrai travail. Et qui me prend toute la journée, j'ai dans le loup toute la journée, de demi-heure en demi-heure. Ouais. Donc quand je la dépose à la gare, j'ai pas évidemment le temps d'attendre pendant une heure que le train arrive. Bon. Prévoir ça, c'est quand même pas une merde, c'est une mise, bordel. Hein. Oh, toi, arrête de dire des bêtises, mon petit Lolo, tu sais bien que je t'aime. Merci. Mais je t'aime physiquement. Bien, alors, vous n'aviez pas le temps de... Non, j'ai quand même d'autres choses à faire, malheureusement. Par contre, si vous, avec vos caméras, vous débarquez à la gare, là, il viendra m'accueillir. Non, oh non, alors... Ah si, moi, je l'ai pas inventé. Non, mais ces deux-là se détestent, hein, c'est très... Non, mais moi, je suis content qu'elle ait fait ce livre-là, parce que ça révèle sa vraie nature. Non, moi, je pense qu'on peut la réconcilier avec Geneviève. Ouais. Mais j'ai pas de problème avec Geneviève. Ouais. Mais moi, j'en ai pas eu avec elle. Moi, j'adore Madame de Fontenay. Le problème, c'est plutôt Xavier. Alors, c'est vrai que Geneviève, vous dites, vous, en parlant de votre mère, elle vit dans un monde de Mickey. Elle ne se rend pas compte ça, à quel point Sophie la méprise. Non. Ah, bah si, vous dites alors, ça. Alors, attendez. D'abord, l'interview, il y a eu des termes un petit peu qui étaient sortis de leur contexte. J'ai dit qu'elle vivait dans un monde un petit peu comme à Walt Disney. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour elle, tout le monde est gentil. Oui. Personne n'est agressif. Oui. Et justement, elle n'est pas très consciente de la méchanceté de certains ou de certaines envers elle. Ce que vous dites, en gros, c'est quand même qu'elle ne se rendait pas compte que Sophie l'a méprisée. Voilà. Moi, je ne crois pas que Sophie méprise Geneviève. Bah, absolument pas. C'est ce qu'il cherche à lui faire croire. Là est la différence. Ouais. Là, on atteint le niveau. Non, mais... On atteint le niveau des séries de B. Je ne crois pas que Sophie méprise Geneviève. Ça y est, on y est, Catherine. Oui, sérieusement. Oui. Non, je pense qu'elle en est consciente maintenant. Bon, c'est tout. La semaine dernière, elle a bien... déclaré ici devant. Elle a dit qu'elle l'aimait bien. Elle a dit qu'elle l'aimait bien. On peut arriver à faire dire. Bien, alors on va demander à... C'est tempête dans un verre d'eau. On va demander à Doc Gynéco d'arbitrer. Doc. Oui. Doc, vous allez faire le juge. L'arbitre. Alors. À mon avis, elle a pas couché avec. Elle s'en rend pas compte elle-même. C'est vrai ou faux? De quoi? T'as couché avec lui? Mais non, c'est sûr. Non, non, à un moment, je crois que c'est une embrouille de couple. Bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de nous piquer? Xavier de Fontenay. Oh, je sais pas. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'elle me déteste dès le premier jour. C'est quand même un peu bizarre, parce qu'on se connaissait pas avant. Ce livre, au lieu de s'appeler Que ça va être Miss France, ça aurait plutôt dû s'appeler Comment flinguer Xavier de Fontenay. Mmh. Bon, on sait qu'il y a des gens derrière vous, en particulier votre ancien délégué qui est devenu votre agent. Écoutez, et qui ne se console pas d'être parti. Je faisais ce livre. Bah, bien sûr. Bah, je le jure, un agent qui n'est pas au courant. Il l'a appris dans l'émission de Bernard Tapie. Ah bon. Et j'avoue aussi que ça m'a fait mal au cœur pour lui qu'il l'a appris comme ça. Mais est-ce que tu as couché avec? Mais non. Pas un mec facile, hein? Non, mais pas, tu t'es bien niqué. Une mise, au moins une. Non, quoi? Ça, c'est con. Non, mais attends. Bah, t'as la chance d'avoir ta mère qui s'occupe de ça. Elle peut pas franchement, ça, c'est un arbitre naïf, dites la vérité ici.
De quoi de... Non mais attends, j'ai pas besoin de ça pour être en plus de, dans la plénitude. Bien, merci. Merci d'être venu, Xavier de Fontenay. On l'applaudit. Merci, Xavier de Fontenay. Merci. Il est blessé, là. Non, non. Il est malheureux, non, là, non, non. Non, non, non. Il est plus malin que ça. Ah bon? Ouais. Oh, malin au sens démoniaque, hein, visiblement. Ouais. Bien, vous restez avec nous. Ouais. Et la télé, c'en est où, alors? Eh bien, Téléfoot à la rentrée. Ah, mais ça continue. Voilà, ça continue cette bien sûr. Oh, non. Attends, elle a fait vachement augmenter l'audience, hein. Toujours Téléfoot à la rentrée, encore plus souvent qu'avant. Ouais. Et la radio aussi, en parallèle. Vous dites le problème, on vous demande quand on est Miss France de ne pas vous afficher avec des garçons. Mais vous, vous dites, c'est qu'on n'a même pas le temps d'avoir une aventure. Moi, j'ai pas eu pendant le temps. Pendant un an? Ouais. Non. Comme Christine de Vieux-Jeancourt. Non, sérieux, pendant un an, vous n'avez aucune non, aventure. Non, j'ai pas le temps. Et puis, moi, si c'est pour entamer une relation, il faut que ça dure. Donc, si j'étais tombée vraiment amoureuse, j'aurais fait tout pour que ça dure. Mais là, non, les occasions ne sont pas présentées. Non, mais tu n'as pas compris la question de Thierry. Il parlait juste de tirer un coup, Thierry. Il parlait pas de s'investir dans une relation. Ça ne m'intéresse pas. Pendant un an. Ah oui, ça ne vous intéresse pas, de toute façon. Pas comme ça, non. 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 J'aurais pas envie... T'entends, Bruno? Non, mais ton mec pouvait te rejoindre sur le... Si j'en avais eu un, oui, à l'époque, j'en non. avais pas. À l'époque, il n'y avait pas Fabrice encore. Voilà. Enfin, elle a un mec. Oui. C'est excitant. Fabrice, oui. Vous aimez bien les mecs un peu plus âgés que vous, non? Ouais. Les vieux de 50 ans, non? Des vieux de 50 ans, des hommes mûrs, hein, ouais. Ouais. Pourquoi? Ils sont plus experts? J'ai besoin de quelqu'un qui me rassure, je pense. C'est un homme qui a déjà bien vécu, ouais. C'est ce qu'il me faut. Vous entendez les filles? Bien. En tout cas, je trouve très sympa. Merci. Moi, je ne vous connaissais pas. Oh, Xavier, il chiale maintenant. Bien. Vous savez qu'on va faire une interview par amour. On ne bouge pas pendant le jingle, on ne bouge pas pendant le jingle. T'as bougé, Bruno, putain, tu fais chier. Aïe. Zut. Bien. Alors, par amour, Sophie Talman, seriez-vous prête à arrêter la télé? Bah, si on me demandait ça, je dirais que c'est qu'on n'est pas forcément amoureux de moi. Ouais. Ça me ferait réfléchir. Par amour, seriez-vous prête à quitter la France pour vous exiler au Paraguay? Un autre pays, peut-être. Pourquoi pas? Ouais, ça, pourquoi pas. Par amour, auriez-vous recours à la chirurgie esthétique? Ben là encore, je dirais la même chose. Si on me demande de changer quoi que ce soit, ouais, ouais, c'est qu'on ne m'aime pas comme je suis. Par amour, est-ce que vous accepteriez de vivre à trois avec sa maîtresse? Surtout pas. Je partage pas. Par amour, est-ce que vous seriez prête à aller tous les samedis soirs dans un club échangiste? Alors encore moins. Bon. C'est fou quand même, hein, Bruno? Quand on aime vraiment quelqu'un. Quand on aime vraiment quelqu'un, on se laisse maquer par la personne. Voilà. Femme ou homme. Voilà. Non, je peux pas. Tu ferais pas un tatouage pour un mec? Ah si, ça, ouais, pourquoi pas. Et s'il l'a fait faire à d'autres meufs, avant? Qu'est-ce que tu demandes aux filles de se faire tatouer, toi? No vacancy. Un cœur brisé parce que je le demande à toutes. Mais ah bon, ça défend. C'est pas original alors si tout le monde a ça. Elles l'ont pas toutes sur la même partie du corps. elles le savent. Elles le savent. Donc bon, je continue. Ouais. Est-ce que par amour, vous seriez prête à devenir son esclave sexuelle? Oh punaise. Pas de gros mots, hein. Ça peut être marrant. Ouais. Ah, quand même. Est-ce que par amour, vous seriez prête à embrasser 100 fois ses chaussettes sales? C'est la question Clotilde de Courroux. Écoutez, il vous regarde souvent et il m'a souvent posé cette question-là et je lui ai dit non. Ah bon? Ouais. Est-ce que par amour, vous seriez prête à prendre 20 kilos? S'il aime les rubans, imaginez, il a ouais, ça, facile. Ça, oui. Mais il faudrait que je me freine pour me les prendre quelquefois. Est-ce que par amour, vous seriez prête à ne plus jamais faire l'amour parce qu'il serait devenu impuissant dans un accident de deltaplane? Oh, imagine, il devient impuissant, il devient impuissant. On trouve c'est un problème. In God we trust. C'est un souci là quand même, non? Ouais, je vais dire oui.
Ouais, mais si dur, j'aime vraiment, je crois que ça sera dur. Ouais. Il vaut mieux pas qu'il devienne impuissant quand même, le Fabrice. Ouais. Bien, est-ce que par amour, vous seriez prête à ne jamais avoir d'enfant, car il veut rester votre seul enfant? Non, je pense, je pourrais pas. Hmm. Non. Pire de tous les pires, là. Est-ce que par amour, vous seriez prête à arrêter de fumer? Je fume pas. Est-ce que par amour, vous seriez prête à fumer? De la beuh. Ouais. Oui. Ouais. Ah, vous l'aimez vraiment alors? Oui, vachement, parce que j'ai jamais mis une cigarette dans ma bouche. C'est pas ce que dit Xavier. Hein. Sophie Talman, ça fait quoi d'être Miss France? L'envers du diadème, chez Michel Lafon Édition. Et maintenant. Voici l'ancien directeur financier de l'OM, voici Alain Laroche, mesdames, messieurs. Merci Neko, Alain Laroche. Laurent Baffi. Laurent, il paraît que Xavier n'est pas au mieux. Dans un petit moment, je vous demanderai d'aller le consoler. D'aller le rejoindre, là, parce qu'il est dans sa loge, il n'est pas très bien. Oh merde, tu vois, tes conneries toi aussi. Il est lourd de tâches. Ouais. Arrête de le traiter de tâche dans un premier temps. Essaye de dépassionner le débat. Alain Laroche, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez été directeur financier de l'OM à la grande époque, donc quand Tapie était président, 5 fois champion de France, une Coupe de France, et en 1993, vainqueur donc contre le Milan AC de la Coupe des clubs champions. Voilà. Alors, parallèlement à ce succès sportif, Tapie connaissait aussi un grand succès politique, puisque aux élections européennes en 1994, ça s'est très très bien passé pour lui. Et les sondages le placent l'année suivante, en 1995, en très bonne position pour les présidentielles. Et là, à partir de là, tout s'écroule. À partir du match OMVA et des affaires dites des comptes de l'OM, jusqu'à le rendre inéligible. Alors pour vous, l'affaire Tapie, en fait, c'est plus que ça, c'est une affaire d'État, parce que finalement, pour vous... c'est une incroyable aventure qui est destinée à rendre Tapie inéligible d'une certaine façon. On l'amène à la ruine, et vous aussi, ça vous amène à la ruine et à la prison. Et vous racontez ça dans un livre qui est publié chez Plon et qui s'appelle « Tapie et l'OM, la vérité ». Vous savez comment on fait, Alain ? Bruno ? Voilà, vous racontez tout ça dans ce bouquin. Vous avez été donc directeur financier de l'OM de 1988 à 1995. Avant de parler du livre, on va faire un petit peu l'actu de l'OM, parce que ça vous intéresse toujours, j'imagine. Donc l'OM ne redescend pas en D2, puisque Robert Louis-Dreyfus a mis sa main au portefeuille, comme on dit, et il s'est engagé mercredi dernier à rétablir la situation financière positive du club, et ça a été accepté. Donc aujourd'hui, il en est quand même à 900 millions, Dreyfus. Ouais, c'est une somme considérable. Ouais. Par joueur. On ne pouvait pas penser autre chose de lui. C'est un homme d'affaires, c'est un homme riche. Ouais. Et je crois d'ailleurs que c'était lui faire une sorte d'insulte que de croire qu'il ne ferait pas autrement. Ouais. Donc il a été très vexé par cette décision. Ouais. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées sur l'entreprise en général. Et puis il a prouvé en mettant beaucoup d'argent dans l'OM, d'ailleurs des sommes astronomiques pour des résultats absolument catastrophiques. Ouais. En tout cas, il a prouvé qu'il aimait ce club. Ouais. Mais il a un côté marrant, Dreyfus, c'est un peu comme quand on était jeune, on était adolescent, il y avait toujours un riche qui payait pour tout le monde, quoi. C'est un peu ça quand même, non? Oui, enfin disons qu'il a cru au départ que ce serait un grand club, et puis il y a eu des grosses erreurs de fait en termes de recrutement et de choix sportifs. Ouais. Vous croyez que Tapie peut relancer le club? Je pense qu'il a le talent pour le faire. Mais c'est vrai que le contexte est difficile. C'est un pari audacieux qu'il prend. Parce qu'il ne peut plus acheter de joueurs, ce coup-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus les moyens. Bah si, il a les moyens. Avec un budget à 250 millions au lieu de 300 millions, il ne veut plus redemander d'argent à Dreyfus Tapie. Ouais, c'est... À l'époque, on a réussi à monter des très grandes équipes avec des moyens infiniment plus modestes, ouais, et souvent contre des oppositions politiques, ouais, notamment le maire de Marseille. Je crois que Tapie, aujourd'hui, a largement le quoi de faire une grande équipe. Enfin, le sponsor, c'est pas ça. On attendait Sony, on attendait Sega, on attendait Microsoft, et on se retrouve avec Khalifa Airways. C'est pas terrible, quand même. Vous savez, je crois qu'il ne faut absolument pas dénigrer. Hein. Ouais. C'est une grande compagnie. En tous les cas, ça leur fait de la pub, puisqu'on en parle. C'est la première fois qu'on parle de Khalifa Airways à la télévision. Je crois, en tout cas, ça aura déjà au moins valu ça. Ils font une très bonne affaire publicitaire. Oui, très bonne, oui. Alors, revenons au livre. Pourquoi le publier si tard?
La raison principale, c'est que la justice n'avait pas rendu ses décisions intégralement et que la décision finale a été rendue en février 2001 par la Cour de cassation. Et je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas écrire les livres avant, mais après les décisions de justice. La justice doit se faire dans les tribunaux. Vous n'avez pas attendu que Tapie revienne pour lui donner un coup de main? Très franchement, je ne savais pas quand j'ai écrit le bouquin qu'il allait revenir. Vous écrivez un livre qui dédouane Tapie. Donc non, si aujourd'hui Tapie est manipulé par l'Élysée ou par Matignon, vous êtes l'instrument de cette manipulation d'une certaine façon. Non, je ne suis pas d'accord parce que ce livre ne donne pas Tapie. Ce livre remet les pendules à l'heure, il remet les choses en place, il dit les choses vraies sur ce qui s'est passé à l'OM. Méfiez-vous, Alain, parce que la première fois que vous avez été manipulé, vous le savez. Ah oui, mais j'ai l'expérience maintenant. Vous n'y croyez pas la première fois, hein? Ah, c'est dur de croire ça, c'est très dur. Mais j'ai l'expérience maintenant, j'ai un peu mûri. Alors, donc vous vous dites qu'il y a eu complot, hein, voilà, clairement. Hein. Vous dites en 95, au moment du retrait de Jacques Delors de la course à la présidentielle, au moment où Rocard était en orbite, complètement satellisé, Tapie était finalement le candidat de la gauche le plus crédible, et un certain nombre de barons de la gauche décident de l'éliminer en le rendant inéligible et en le privant de tous ses mandats électoraux et sociaux. Je suis directeur de l'Olympique de Marseille pour tout l'aspect business. Chaque fois que Tapie a un succès en politique, on se prend un énorme coup sur la tête. Et souvent des coups complètement montés, tordus. Ouais. Ce n'était pas des coups simples comme ça. Vous dites aussi, personne n'ignore la relation belliqueuse qui existe entre Tapie et Jospin. Ce que je dis simplement, c'est que Tapie avait réussi aux européennes à faire un score équivalent à celui de M. Rocard. Bon, je crois que des gens de la gauche ont voulu protéger M. Jospin d'un éventuel score de Bernard Tapie, ça c'est clair. Ouais. Hein. On va parler de tout ça, interview vérité. On ne bouge pas pendant le jingle. Il chiale. Il chiale ? Ben vas-y. Oh là, quelle connerie, t'es content de toi maintenant. Xavier, allez. Non, alors. Xavier est en larmes. C'est ce qui arrive. Peut-être Sophie peut arranger ça. Ah non. Il veut pas. Alors donc, effectivement, vous notez dans votre livre le parallèle entre les événements politiques et l'exécution de Tapie. Vous dites, quand je lisais les sondages, je savais que nos ennuis judiciaires s'amplifieraient. Mais Tapie avait une faiblesse, il se croyait invulnérable. Ah, tout le monde connaît Tapie de l'époque, de la grande époque. Ouais. Tapie était un homme puissant. Souvenez-vous quand même des hommages invraisemblables et extraordinaires du président de la République à Bernard Tapie. En pleine affaire au MVA, M. Mitterrand fait un hommage appuyé à Bernard Tapie. M. Pierre Mauroy dit tout ce qui est bon pour l'OM est bon pour le PS. Enfin, c'est quand même des choses fortes, ça. Hein, c'est mais pas malgré rien. Ça, vous vous sentez... Alors, on va voir toute l'histoire. Donc, avant l'OM, vous avez fait des études supérieures de gestion, de finance, de management. Mmh. Et vous commencez votre carrière dans des grands groupes. Puis, vous devenez consultant. Et puis, vous rentrez à l'OM. Pourquoi ? Aimanté par Tapie, fasciné par Tapie ? Je voudrais que chacun se souvienne de ce qu'était Tapie dans les années 88. Ouais. C'était un vrai dieu de la communication. Il avait son émission Ambition, il avait fait son livre Gagné. Tout le monde le citait en exemple comme un manager d'entreprise. Ouais. Donc pour moi, qui avait des ambitions de faire aussi des affaires dans le futur, je venais près du pape de l'entreprise, absolument. Ouais. Alors il y avait aussi Hidalgo qui était très sympa. Donc très ça, sympa, très sympa. Ça jouait. Et là, vous travaillez dur, vous rentrez à l'OM. C'est difficile, mais vous vous donnez beaucoup de mal. Vous travaillez sur les droits télé, sur les loges VIP, les sponsors, le merchandising. Premier problème, en 1990, donc il y a 2 ans que vous êtes là, vous êtes entendu pour une histoire de transfert, les transferts d'Olmeta et Pardo qui venaient de Toulon. Et là, vous passez une nuit en tôle déjà. Hein. On vous demande d'avouer, mais vous ne savez pas quoi. Oui, bah c'est pas la tôle, c'est la garde à vue, ça arrive, ça peut arriver à tout le monde. Ce que je voudrais dire, c'est que tout ce qui m'est arrivé peut arriver à tout le monde. Ouais. La garde à vue, c'est les policiers qui viennent, mais ils ne viennent pas pour nous. Ouais. Cela, c'est très pervers. Ils viennent pour une affaire concernant Toulon, les transferts de Olmeta, Pardo et Casoni. Ouais. Et dans la discussion, Bernès a signé une autorisation aux policiers, les autorisant à vérifier les comptes de l'OM. C'est assez étonnant quand même. Et là, effectivement, on nous pose beaucoup de questions. Mais je réponds ce que j'ai à répondre. Moi, je n'ai pas à changer. Et pourtant, je subis des pressions pendant cette garde à vue. Ouais. Et je tiens mes positions. Et depuis cette date-là, je n'ai pas varié d'une seule virgule de tout ce que j'ai toujours dit depuis cette garde à vue. Alors, l'OM marche. Hein. L'OM connaît beaucoup de succès. Malgré tout, il y a des problèmes avec Vigouroux. Hein. Le maire de Marseille vous met des bâtons dans les roues d'une façon assez systématique, chaque fois qu'il peut. Ah bah écoutez, c'était flagrant. Monsieur Vigouroux avait le talent de faire le contraire de ce qu'on proposait. Et quand ça marchait, il disait l'inverse. Ouais. Alors, puis il y a l'affaire au MVA, c'est-à-dire on retrouve 250 000 francs en espèces dans le jardin de la tante de Glassman. À Périgueux. Qui dit, Bernès m'a corrompu, il m'a demandé de lever le pied.
Ouais. Écoutez, moi d'abord, je n'ai pas été mis en examen dans cette affaire, donc je peux en parler avec une certaine distance. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a aucun lien qui a été prouvé entre les preuves matérielles présentées, notamment l'argent, puisque ces preuves matérielles n'ont aucune empreinte, n'ont aucune... les billets ne correspondent pas à des billets qui viennent de Marseille. La police a fait des investigations énormes, et croyez-moi, si j'avais trouvé quelque chose, j'aurais été forcément mis en examen. Ouais. Moi, ça reste une grande affaire extrêmement douteuse, troublante, car on ne me fait pas croire qu'un joueur de football qui dépense quand même pas mal d'argent puisse un matin, trois semaines après, ressortir une somme d'argent comme ça. Et comme par hasard, ça se passe le jour où j'annonce le lancement de la création d'une société extrêmement importante, qui s'appelle OM Premier, voilà, où j'avais réuni plus de 300 chefs d'entreprise locaux, ainsi que 5 investisseurs de dimension internationale. J'avais réuni 100 millions de francs qui avaient pour objet de rentrer dans le capital de l'OM et d'autre part d'aider les entreprises régionales à se développer. Comme par hasard, comme en pleine par réunion, hasard, bing, on ça tombe en ce moment-là. Cet argent dans le jardin de la tante de Glassman à Périgueux. À Périgueux. L'affaire OM Premier, qui était très prometteuse, effectivement, ne se fait pas. Et alors là, la police découpe votre coffre-fort au chalumeau. Enfin, c'est abominable. Ouais. Je trouve un bureau, mais saccagé. Pour vous, c'est un coup monté, alors. Et Bernès est complice. Non, mais dites-le, je veux dire. Moi, je crois que l'affaire de OMVA est une affaire totalement montée à partir du moment où aucune des pièces, aucun des éléments qui concernent l'OM ne sont avérés. Il faut bien savoir que les joueurs de Valenciennes ne mettent pas en cause ni l'OM ni Tapie. Ils mettent en cause ce Bernès. Et puis, il y a quand même un fait troublant. Bernès, jusqu'au procès, a toujours soutenu qu'il avait été piégé. Je rappelle un truc que tout le monde a oublié. C'est lui qui dépose plainte, le premier, contre les dirigeants de Valenciennes pour avoir lui-même été corrompu. Ouais. Donc, il ne faut pas oublier ça. C'est Bernès qui dépose plainte en tout premier, le 4 juillet. Ce n'est pas Valenciennes, ce n'est pas la Ligue, c'est Bernès. Ouais. Et jusqu'au procès, il soutient ça. Il écrit même un livre qui dit exactement ça. Et le jour du procès, comme par hasard, il fait exploser le livre en disant complètement autre chose. Il y a un manque de cohérence quand même. Non, parce que Tapie, maintenant, quand il rencontre Bernès dans un restaurant, il change de restaurant où il demande que Bernès s'en aille. C'est quand même sur ses il ne lui a pas pardonné. Hein. C'est quand même sur les déclarations de Jean-Pierre Bernès que Bernard Tapie est allé en prison. Je suis allé en prison sur les déclarations de Jean-Pierre Bernès également. Ouais, enfin, ça ouais. fait mal quand même. Ouais. Alors en 1994, effectivement, il y a un sondage dans VSD, il y a même un photomontage où Bernard Tapie est habillé en président de la République. Et on dit, s'il y avait des élections présidentielles entre Chirac et Tapie, Tapie aurait 46% et Chirac 54%. Donc d'un seul coup, il devient sans doute, effectivement, je veux dire, pour un certain nombre de barons de la gauche, il devient l'homme à abattre. Et là, toutes les affaires lui tombent dessus. Il y a OMVA, on vient d'en parler, il y a l'affaire des comptes de l'OM. Et puis après, il y a le Fosséa, Testu, etc. Oui, mais attendez, il faut voir ce qui se passe. Je crois que dans ce livre, quand je l'ai écrit, j'avais peur, même en l'écrivant. Je lui dis, c'est pas possible, on ne prend pas tout ça dans la tête. Mais il n'y a pas que ça. On veut nous faire déposer le bilan aussi à ce moment-là. Ouais. On nous met en examen. C'est en 94 qu'on est mis en examen. Tout à l'heure, vous avez dit, on est en garde à vue en 90. Mais qu'est-ce qui se passe entre 90 et 94? Rien. Ouais. Non seulement il ne se passe rien contre nous, ouais. ça veut dire que finalement ce qui était dit en 90 par la police n'était pas si grave. Il n'y a pas eu de suite sur l'affaire Casoni, Pardo, Olmeta. Ouais. Non, mais sur ce qu'on nous reproche, plein de choses qui vont ressortir. Ouais. 4 ans après, les affaires de transfert de Moser, etc. Ouais. Tout ça ressort après. Alors, à l'époque, donc, Tapie devient incontournable sur le plan politique, effectivement, après les européennes, mais il est aussi pas contrôlable. Donc, c'est le début de la Lali. Et vous notez d'ailleurs effectivement les convergences des faits sur des périodes très concentrées. Exemple, alors là, fin octobre 1994, vous rencontrez un investisseur pour l'OM qui est prêt à financer le club, qui est prêt à investir dans le club et qui vous fait nettement comprendre qu'en échange, il voudrait quand même quelques informations sur Bernard Tapie. Oui, enfin, c'est plus pervers. C'est-à-dire que cet investisseur n'était pas un investisseur. C'était un émissaire qui m'a demandé clairement de trahir Tapie. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, cher ami, je suis le seul qui n'ait jamais trahi, et c'est justement, j'ai eu le gouvernement parce que je n'ai pas trahi. Alors, cet émissaire me dit quoi? Il me dit, écoutez... C'est ma fille qui nous a laissé cette merde. Il n'y aura pas de problème pour vous en matière pénale si vous me dites des choses importantes sur ta fille. Bon, et on est en pleine période d'avant élection. Et c'est amusant parce qu'on est en gros 5 mois avant les élections. Bernès change d'avocat à ce moment-là. Tiens, c'est curieux. Moi, on me propose de trahir. 15 jours après, on me met en sous-contrôle judiciaire avec interdiction de travail. Mais il se passe beaucoup de choses à ce moment-là. Vous avez fait... infiniment grave. Alors, vous avez fait une connerie quand même dans toute cette affaire. Ça m'est arrivé, bien sûr. Vous avez monté une société avec Cara Georgis, donc l'agent de l'OM. Bon, une société qui n'a jamais travaillé, une société qui est restée en sommeil.
mais c'est sûr que le juge Philippon, ça ne vous a pas rendu crédible à ses yeux. Mais je lui ai tendu à ce moment-là une perche énorme. D'abord, c'est moi qui lui dis au juge, ce n'est pas lui qui le trouve. Ouais. C'est moi spontanément, parce que je ne pensais pas qu'il y avait vraiment péril dans la demeure. Bah, lui, il pensait que cette société que vous aviez montée avec Karageorgis est en fait une planque pour une caisse noire de l'OM. Mais bien sûr. Et il me dit, c'est pas possible, tout le monde, rien ne se passe à l'OM sans que tout le monde soit au courant, parce qu'on avait des procédures très contrôlées, on avait des commissaires au compte, des doubles signatures. Je dis non, c'est un truc personnel, j'assume, je vais pas raconter comme d'autres, c'est tapis, c'est moi, La Roche, qui fait ça. Et pourquoi vous avez fait ça? Parce que j'avais envie de faire du commerce, comme j'explique dans le livre. Mon but, c'est après de faire autre chose, que chez l'OM, c'est un stress énorme. Bon, puis je suis un homme d'entreprise, mais je suis pas un homme Bernard Tapie. Bien sûr, je l'aime. C'est un homme merveilleux. Mais je crois que je suis pas, trahi, je suis pas le seul à l'aimer. Hein. Il l'a pas trahi. Il a fait un disque ensemble avec lui. Donc, c'est clair que j'ai envie de faire autre chose. Mais le juge se rue là-dessus. Alors, il avait le choix. Le juge, il me dit, soit c'est pour vous à titre privé, et puis je vous poursuis pour abus. Mmh. Soit c'est pour l'OM, c'est une caisse noire. Oui, dans tous les cas, vous étiez poursuivi. Dans tous les cas, j'étais. Lui, il me tenait bien. Ouais. Hein, ça, c'est clair. Dans tous les cas, j'étais. Mais justement, on va parler du juge Philippon. Chez vous, vous éteignez la lumière, et ici aussi. Alain Laroche, est-ce que vous jurez aujourd'hui que le juge Philippon vous a promis un assouplissement de votre sort si vous balanciez Bernard Tapie? Absolument, j'ai subi des pressions de toute nature. Et puis, toute la procédure qu'a suivi le juge Philippon a largement démontré que c'était pour me mettre une pression, pour me faire avouer quelque chose. Donc, il y avait un chantage. Manifestement, c'était un chantage. C'est un mot extrêmement violent, mais c'était un chantage. On rallume! Effectivement, Alain Laroche, là on vous met en prison, d'abord on vous met à l'évêché pendant 10 heures sans boire et sans manger, donc vous découvrez effectivement la dure vie des prisonniers, hein. C'est une part très importante de votre livre, c'est très touchant la façon dont vous en parlez. Après on vous met au baumettre sans prévenir votre famille, bah, c'est l'enfer. Le pire moment ça a été quoi? D'abord on ne comprend rien du tout, parce que, vous voyez, j'avais pris un coup de poing dans la figure. Ouais. J'étais complètement KO, sonné. Heureusement que j'ai eu des ressources morales au-delà du normal, parce que sinon on peut mourir. Il y a des gens qui se suicident pour moins que ça. Donc c'est très dur en permanence. Et puis, je ne savais pas ce qui allait se passer. Quand vous êtes en prison pour 3 mois, 6 mois, plus longtemps, vous vous organisez. Moi, je ne savais pas. Ouais. N'oubliez pas également que j'étais incarcéré contre l'avis du procureur. C'est quand même dingue. En 1995, un simple juge d'instruction, un homme, peut vous mettre en prison sur sa seule décision, contre l'avis du procureur. Je voudrais insister là-dessus. En plus, je suis peut-être le seul Français à rentrer en prison pour avoir payé pour rentrer en prison. J'ai payé ma caution la veille où je rentre en prison. Enfin, c'est des choses incroyables quand on le raconte. Alors, c'était dur tous les jours, bien sûr, mais c'était surtout dur quand je devais voir ma femme au parloir, parce que là, c'est l'humiliation totale. Mais ils ont mis la pression aussi, ils ont menacé votre femme de la mettre en examen. Tous mes amis, tous mes proches ont été entendus avec des pressions. Ma femme, effectivement, a subi elle-même des fortes pressions, allant très très loin. Il est évident que dans le livre, j'en parle, mais quelque part, j'ai encore de l'humilité et de la pudeur à en parler, parce que quand je la voyais et puis que je savais ce qu'on lui faisait dehors, c'était terrible. Alors, autre pression, vous êtes confronté à Bernet sur les matchs achetés. Vous vous dites non, à ma connaissance, il n'y a pas eu de matchs achetés. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas eu des matchs achetés ou est-ce que vous ne saviez pas qu'il y en a eu? Moi, je parle de ce que je sais. C'est-à-dire que Tapie ne m'a jamais dit, La Roche, il faut organiser telle chose. Ouais. Donc, les rumeurs, j'en ai entendu des centaines. Je n'ai jamais eu une instruction, jamais eu un ordre pour faire en sorte. Voilà. Alors, Philippon, le juge Philippon, donc, veut vous faire craquer. Vous ne craquez pas, justement. Est-ce que vous ne craquez pas parce que vous n'avez rien à dire ou parce que vous êtes très fort mentalement? D'abord, il faut les deux. Il faut d'abord être très fort mentalement parce qu'on peut dire n'importe quoi. Ouais. Vous savez qu'il y a des gens qui disent n'importe quoi, qui avouent n'importe quoi. C'est ce qui était arrivé à Dils, oui. Tous les actes que j'ai accomplis, je les ai accomplis en conscience. Ouais. Je les ai accomplis en conscience parce que je pensais que c'était nécessaire pour le club, c'était dans l'intérêt de l'entreprise et que j'avais pris toutes les précautions de vérification auprès des avocats, des conseils, du ministre du budget, du ministre de la justice, de la Ligue, et parce que c'était des pratiques connues dans le football, c'est tout. Donc je n'avais pas le sentiment de faire des choses abominables. Vous savez, quand on voit le lit, l'arrêt de la cour d'appel, on se dit, mais c'est pas possible qu'on vous ait fait ça avant. Justement, un jour de novembre, vous vous retrouvez seul, en tenue d'été, devant la porte des Baumettes, et c'est un gardien qui vous raccompagne à Marseille. Votre femme n'avait pas été prévenue par l'administration pénitentiaire de votre retour. Alors après, il y a le procès. Vous prenez de la prison avec sursis. Donc vous découvrez à ce moment-là que vous avez fait 5 mois et quelques, 5 mois et une semaine de prison ferme pour rien. Pour rien.
J'ai fait 5 mois et une semaine de prison, absolument pour rien. Oui, mais attendez, moi j'ai une question simple, Alain. Si vous avez été condamné, même à de la prison avec sursis, et à 200 000 francs d'amende, il y a bien quand même quelque part une culpabilité. Absolument, mais je ne conteste pas. J'explique. Quelle est votre culpabilité? Alors je l'explique, parce que c'est quand même important de savoir pourquoi on a été condamné. Bah oui. Pourquoi est-ce qu'on a été condamné? Pour 3 raisons. 1, on fait des prêts aux joueurs. Deuxième chose. Prêts aux joueurs, deuxièmement. Les contrats d'image. Les joueurs ont des images comme les vedettes de cinéma, etc. Et le troisième point, c'est les impresarios de football. C'est la plus petite part du dossier. On payait des commissions à les impresarios de football. Pourquoi? Pour faciliter les transferts, pour avoir des renseignements confidentiels sur des clubs. C'est ce que tous les clubs font en termes d'espionnage, etc. Voilà, les 3 raisons. Ce n'est pas des choses qui sont graves, c'est des choses qui sont, allez, discutables. Bien, donc vous avez été pris dans les rouages d'une opération de déstabilisation politique. J'ai été pris parce que j'ai pris une position loyale. Je suis quelqu'un qui a cette vertu. Alors, peut-être c'est une vertu, c'est un défaut parfois, peut-être, mais enfin, en tout cas, c'est la mienne. Alain Laroche, un mot à dire à Bernard Tapie ce soir. Vous regardez votre caméra, vous lui dites quoi? Je lui dis bonjour, parce que je ne l'ai pas revu depuis pas mal de temps. Et bon courage, parce que l'affaire va être difficile. Et j'espère que l'homme va réussir. Et j'ai peut-être quelques conseils à lui donner. Et un mot à Bernard. Au fonctionnement financier et business. Un mot à Bernard. Chacun fait sa vie. On est maître de son destin. J'ai choisi ma voix. Ce que je sais, c'est que quand je me regarde, je suis en harmonie avec moi-même et je peux parler en face avec tout le monde. Je regarde tout le monde dans les yeux et je suis fier par rapport à simplement mes gosses, mais aussi par rapport aux Marseillais et aux supporters marseillais d'avoir fait ce que j'ai fait pour un grand club que j'aime encore. Voilà. Tapie et l'OM, la vérité. Par Alain Laroche, l'ex-directeur financier de l'OM parle. Et c'est chez Plon. Et maintenant, mesdames, messieurs, voici Arnaud Montebourg. C'est tout le monde, Doc Gynéco, Sophie Tellemann, Alain Laroche, Arnaud Montebourg. Donc, alors Arnaud, vous publiez proposition de résolution tendant au renvoi de M. Jacques Chirac, occupant les fonctions de président de la République, devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, et c'est chez De Noël. Ah oui, rigole pas, le titre est assez long. Ça, c'est le titre. Depuis, il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, d'Audiard. On n'avait pas vu un titre aussi long. Je sais pas, on va improviser. Ben non, on peut pas improviser. Là, vous allez me dire que vous voulez pas faire ça, je vais jeter le bouquin, et voilà. On l'a déjà fait une fois. On va trouver un compromis. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire un effort. Ah. Vous aussi. Ben moi, je fais tous les efforts que vous voulez. Bon, on va voir, alors. C'est compliqué avec Montebourg. Doc, t'es sur le coup? Bien entendu. Fais-le, quoi. J'essaierai. Voilà, tu sais comment on fait? Sophie, ouais. Montrez l'exemple à Montebourg. Et j'en ferai deux. Et bravo. Alors, j'ai fait cette fois. Bon. Je signe votre proposition quand vous voulez. Ça commence bien. Bien. Alors, non, je suis content que vous l'ayez fait. Parce que des fois, vous faites des gaffes quand même. Vous êtes un petit brillant. Par exemple, votre bouquin, vous dites « Je vais donner les droits du livre au Resto du Cœur ». Sauf que, avant de le dire, vous ne leur aviez pas demandé. Et les Restos du Cœur, ils ont refusé votre pognon. C'est exact, oui. C'est pour ça que je vous dis, faites gaffe quand même, vous êtes bien, mais de temps en temps, il faut faire ça. Mais ce n'est pas un livre. Ouais. Ce n'est pas un livre. Oui. C'est un document parlementaire. Oui, c'est vrai. Oui. C'est un statut un peu curieux, d'où la longueur du titre, l'austérité apparente. Ah, et puis le bouquin, il faut se le taper aussi. Hein. Ouais. Je ne sais pas si c'est pas la question. C'est pas Sophie Tellemann avec Xavier de Fontenay. Hein. Je ne suis pas certain que Sophie Tellemann n'y trouve pas un peu de son compte, vu son caractère. Ah oui, elle a un caractère rebelle. Et son sens de la résistance, c'est sa combativité. Elle a résisté à Xavier de Fontenay, qui est en larmes, d'ailleurs en ce moment dans les loges, consolé par Laurent Baffy. Alors c'est dommage, les Restos du Cœur, ils ont fait une connerie, parce que le bouquin se vend plutôt bien. Ça leur aurait fait de la thune. C'est pas le sujet. Ouais, non. On donnera les droits d'auteur. Je donnerai d'ailleurs aux associations d'insertion dans ma circonscription, en Bresse. Il y a des tas de gens sur le terrain qui ont besoin d'argent. Oui. Ils me l'ont fait savoir. Oui. Donc cet argent, ne vous inquiétez pas, il trouvera preneur. Madame de Fontenay ne gagne que 17 000 francs par mois. J'ai pas osé le dire. Si vous pouvez faire quelque chose pour elle, hein, ça serait sympa. Ça va, Doc? Tu sais qu'il veut mettre le président de la République en taule, quand même. Moi, c'est mieux que la guillotine. Alors, on va faire un brin d'histoire. D'abord,
parce que tout le monde n'est pas au courant, comme vous l'êtes, quelle faute a commis Jacques Chirac ? Je crois qu'il faut en effet parler du travail des juges d'instruction, qui, dans les formes légales, ont trouvé un certain nombre de malversations dont ils ont considéré, avec les preuves dont ils disposaient en l'état de leur travail, les documents qu'ils ont trouvés, que Jacques Chirac était impliqué et était l'un des éventuellement co-auteurs ou complices d'infractions graves, ce ne sont pas des queues de cerises, trafic d'influence, et 10 ans d'emprisonnement. Abus de biens sociaux. Recel. Prise illégale d'intérêt. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont là des ordonnances de juges d'instruction frappées du sceau au nom du peuple français. Non, en fait, ce qui s'est passé, si tu veux, voilà. Il y avait des employés du RPR, hein, du parti de Chirac, à l'époque où il était maire de Paris, qui étaient rémunérés par des entreprises privées ou par la mairie de Paris. Voilà, c'est ça le fond. Avec l'argent des contribuables. Avec l'argent des contribuables. Alors, est-ce que Chirac était au courant ? Oui, non ? Les magistrats considèrent qu'il y a des charges, voilà. Car ils ont découvert un certain nombre de preuves qui montrent sa connaissance et son approbation du système. Voilà, donc si tu veux, c'est répréhensible. Donc il y a prise illégale d'intérêt, comme l'a dit Arnaud, recel d'abus de biens sociaux et trafic d'influence. Alors effectivement, aujourd'hui, l'enquête est bloquée parce que les juges, ils ont trouvé ça. Mais comme il est président de la République, aujourd'hui, on ne peut pas continuer l'enquête. Mm-hmm. Donc l'enquête est bloquée. Il est normal dans notre pays, comme dans tout pays, que le président de la République ne soit pas tout à fait traité comme un citoyen ordinaire. Ouais. Mais il n'est anormal que le dit citoyen non ordinaire ne réponde quand même pas de ses actes. Vous demandez que Jacques Chirac soit déféré devant la Haute Cour de justice. Pour vous, aujourd'hui, c'est le seul moyen de débloquer la procédure judiciaire. Et c'est le seul moyen pour qu'il puisse se défendre. Voilà. Alors, effectivement, il y a un problème majeur, c'est qu'il y a prescription au bout d'un moment. Et le 15 avril 2002... l'affaire sera classée sans suite. Et Chirac, il est président jusqu'au 8 mai 2002. Donc, tant qu'il est président et qu'il n'est pas déféré devant la Haute Cour de justice, il peut s'en sortir. C'est-à-dire que si en tant que président, il n'est pas inquiété, le jour où il arrête d'être président, il y aura prescription sur l'affaire de la mairie de Paris dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Voilà. Alors, pourtant, il y a des pays où ça se fait, hein, au Pérou, aux Philippines, on a destitué le président de la République, qui sont des pays qui ont une image beaucoup moins démocratique et beaucoup moins droit de l'hommiste que la France. En tout cas, ce sont des pays qui ne font pas depuis 200 ans la leçon au reste du monde entier sur le respect des droits de l'homme. Car ça, c'est un droit de l'homme que de trouver un juge et d'obtenir que lorsqu'on est jugé soi-même, son voisin le soit aussi dans des conditions égalitaires. Ouais. La République française est une République égalitaire. Liberté, égalité, fraternité. Alors, il faut parfois le rappeler, vous savez. Oui, non, mais vous avez raison. Pour être adopté, votre proposition de résolution doit être signée par 10% des députés, ça fait 58. Aujourd'hui, vous avez 28 signatures. Mais alors, même 31. Si vous en... 31. À 31, bah, écoutez, je suis ravi pour vous. Même si vous en aviez 58, vous avez quand même l'obligation de l'adhésion de la moitié des parlementaires de chaque assemblée. Je vais vous dire que dans le passé, lorsque des ministres qui relevaient de la même procédure, la Haute Cour de justice, ou des premiers ministres, avaient été soupçonnés d'avoir commis des indélicatesses ou des actes graves, des crimes ou des délits. C'est arrivé à qui, par exemple ? C'est arrivé, par exemple, à Laurent Fabius, qui, lui, nous savons, dans l'affaire du sang contaminé, qu'il n'avait pas commis de délit. Donc, oui, il faut quand même la moitié des parlementaires de chaque assemblée. Ce qui fait dire à François Hollande que c'est voué à l'échec, et à Lionel Jospin que c'est une démarche un petit peu solitaire que la vôtre. Je veux répondre que tous les groupes politiques, RPR, UDF, démocratie libérale, gauche, PC, PS, à leur tour, dans des affaires différentes, ont toujours demandé que la justice suive son cours. Ouais. Et c'est la première fois que là, ils paraissent tous unis, les chefs parlementaires, tous unis pour empêcher que la justice suive son cours. Alors, solitaire, de moins en moins, puisque nous progressons, que les députés réfléchissent et méditent. D'ailleurs, les citoyens qui lisent ce petit livre, qui est ce document que j'ai adressé à mes collègues, aux 576 autres collègues, députés de l'Assemblée nationale, les citoyens vont voir leurs députés en leur disant « Je ne comprends pas pourquoi vous ne, ne signez pas. » Mademoiselle Thalmann pourrait faire de même. Monsieur Laroche également. Bien sûr. Monsieur Doc Gineco pourrait faire. Je l'ai fait. Vous l'avez fait ? Je l'ai fait. Pourrait le faire s'il ne l'a fait. Voilà. Bien, alors évidemment, vous avez 31 signatures, il y a des lâcheurs, il y a Cochet des Verts qui vous a lâché, car il va être ministre à la place de Voynet. Alors évidemment, c'est vrai que le mercredi matin, il y a Conseil des ministres, et c'est vrai que si on voyait arriver Cochet en Conseil des ministres le mercredi matin, devant le président de la République, Jacques Chirac, et qu'il ait signé votre proposition de résolution, c'est vrai que, donc Cochet vous a laissé tomber.
Exact. Mm. J'aurais un mot pour celui qui a exercé les pressions, le président de la République, qui a utilisé sa fonction à tort pour faire pression sur un candidat à un poste ministériel dont il ne pouvait pas d'ailleurs refuser la nomination. Ouais. Et j'aurais un mot pour celui qui a cédé aux pressions en disant que c'est très embêtant de commencer un ministère avec une preuve d'absence de courage. On aurait pu faire mieux. Ouais. Alors, le PS, quand même, a pris un petit peu le train en marche, d'une certaine façon, sans vous soutenir, mais a pris un peu le train en marche. En proposant une loi, finalement, qui dit que le président de la République serait déféré devant les tribunaux pénaux si c'était avant qu'il ait été président de la République et devant la Haute Cour de justice si c'était pendant qu'il est président de la République. Alors, cette loi a été adoptée par l'Assemblée nationale. Maintenant, elle doit aller au Sénat. Mais au Sénat, évidemment, il y a une majorité de droite, donc ça ne sera pas facile. Et puis après, il faut que cette loi soit soumise à un référendum. Et le référendum doit être déclenché par le président de la République. Ils ne sont pas au bout de leur peine. Je le crains. Ouais. Vous avez raison de le dire et de le signaler, je l'ai dit, mais il n'empêche que cette loi est juste. C'est la raison pour laquelle je l'ai votée, parce qu'elle fait avancer notre pays, notre République, dans un sens un peu moins monarchique. Hein ? Excusez-moi. Oh, je vous en prie. Non, rien, c'est un homard. Oui. C'est un homard. D'accord, alors vous êtes attaqué par beaucoup qui y voient une campagne d'autopromotion, notamment l'avocat François Spinner, qui dit en parlant de vous, il se veut l'héritier de Saint-Just, mais il n'est que l'héritier de Tartuffe. Alors votre première réaction, ça a été de le provoquer en duel, ce qui est assez chic. Et finalement, vous dites non, ben, je le fais pas, mais ça aurait été bien les duels. Il n'y en a plus depuis, je crois que c'était Liffard le dernier. Et Gaston Defer. Defer, voilà, oui, c'est ça. Et puis, voilà, puis vous avez quand même répondu que Spinner, c'est l'avocat d'Alain Juppé, qui est mis en examen dans la même affaire que le président de la République. Donc, c'est l'avocat aussi de Jacques Chirac. Voilà, avocat l'avocat de Jacques Chirac. Occulte et discret de Jacques Chirac. Alors, il y a un problème quand même. Vous parlez, en parlant de Spinner, vous parlez de mercenaires. Et vous parlez d'une cellule judiciaire à l'Élysée, c'est-à-dire une cellule qui aurait été constituée uniquement pour protéger le président de la République dans un cas pareil. Et vos propos sont repris, d'une certaine façon, par Jean-Christophe Cambadélis dans Libération, qui dit qu'il y a un cabinet noir. Il y a un dirigé par Dominique de Villepin à l'Élysée, un cabinet noir qui serait finalement là pour éviter que le président de la République se retrouve devant la Haute Cour de justice. Il y a un certain nombre de hauts fonctionnaires, de hauts magistrats, qui sont à l'Élysée et dont c'est l'utilité et la seule fonction, c'est d'éviter que les enquêtes comme le lait sur le feu ne se rapprochent. Ils les surveillent en métastase, vous voyez. Ce qui d'ailleurs est vain, ça n'a pas fonctionné, mais leur métier, c'est cela. Enfin, s'il y a un cabinet noir à l'Élysée, il y en a peut-être un à Matignon. Possible. Mais en tout cas, pour l'instant, je vois celui-là fonctionner avec un certain nombre de regrets. Hein, parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, dans une république comme la nôtre, à la fois demander transparence et avoir des modes de fonctionnement de ce type. Enfin, en tous les cas, je ne sais pas s'il y a un cabinet noir à l'Élysée et à Matignon, mais les Chiraciens n'ont pas été nombreux pour venir vous répondre, pour défendre leur patron, je te le dis, Jacques. Franchement, les mecs qui sont autour de toi, ils ne sont pas très courageux. On a appelé tous les RPR de Paris. Si j'étais toi, je me ferais du souci parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont voulu venir te défendre ce soir. Il y en a un quand même qui a accepté de venir vous tenir la dragée haute. Voici Thierry Mariani. Je disais à Jacques Chirac que peu nombreux ont été les membres du RPR, les barons du RPR, qui ont accepté de venir répondre à Arnaud Montebourg. Qu'est-ce que vous avez à lui dire, finalement ? Mais vous savez, il me fait penser un peu à ce feuilleton Mission Impossible. Vous vous souvenez, à chaque fois, on commence au début, on voit une petite cassette, et on voit votre mission, et bien là, c'est un peu votre mission, est de plomber le président de la République pendant 12 mois. Si vous y arrivez très bien et si vous faites prendre, bien sûr, on ne saura pas que vous êtes en mission commandée. Et pardonnez-moi, c'est quand même, à mon avis, ça y ressemble beaucoup. Ça y ressemble beaucoup parce que Arnaud est très bon juriste, il sait très bien que son initiative a peu de chances d'aboutir. Mais il sait très bien aussi que pendant 12 mois, on va en parler. Et je suis persuadé, je prends aujourd'hui un pari, je suis persuadé que ces 58 députés, il les aura. Il les aura, mais vous savez, comme c'est suspense, on en rajoute un par semaine, on est à 32, 35, 37, et allez, je fais un pari, février 2002, je pense que les 58, il les aura. À ce moment-là, on aura droit encore à un remake à l'Assemblée nationale. Et en réalité, qui ça sert ? Les présidentielles sont lancées, je crois qu'il est hypocrite de ne pas le reconnaître. Aujourd'hui, chacun roule pour un candidat.
Vous roulez pour le Premier ministre, c'est votre droit. Je roule pour un autre candidat. Mais quand même, votre initiative sert avant tout la candidature de Lionel Jospin. Je veux répondre que moi, je ne peux pas ne pas lui demander pour quelles raisons il ne signe pas la proposition. Comme d'ailleurs, je l'ai demandé au président Giscard d'Estaing, Raymond Barre, sans avoir Giscard, de réponse. Giscard, il serait d'accord pour signer, à mon avis. Je Giscard, suis pas et Balladur, Giscard et Balladur, à mon avis, pouvez vous en faire deux copains. C'est la seule raison pour laquelle j'aurais envie de lui répondre d'ailleurs très, très directement et librement, en disant, mais car moi, j'ai demandé la démission de M. Dumas, oui. qui est un socialiste. Oui. Donc la question, ce n'est pas de savoir si, quand on est de gauche, on tire sur les gens de droite, et quand on est de droite, on tire sur les gens de gauche. C'est qu'on est dans une république qui est en voie de décomposition, et il y a un moment, il faut faire prévaloir les principes, au-delà d'ailleurs des intérêts politiques. Alors pourquoi vous ne signez pas ? Je ne signe pas parce que d'abord, cette proposition, je le répète, n'a aucune chance d'aboutir. Non, attendez, aucune chance d'aboutir. L'abolition de l'esclavage, les droits de l'homme, ça n'avait aucune chance d'aboutir. Parce que quand on a décidé les droits de l'homme, il n'y avait aucune chance que ça aboutisse. La Constitution dit clairement que le président est responsable devant la Haute Cour de justice pour fait de haute trahison. Que je sache... Ce qui est argumenté dans le rapport volumineux qu'a écrit mon collègue, il n'y a rien qui concerne la haute trahison. Ce que vous voulez dire, pour que nos téléspectateurs suivent bien le débat, c'est que finalement, le fait d'avoir eu au RPR des militants qui étaient salariés à la mairie de Paris ou dans des entreprises privées, c'est pas très bien, mais c'est pas de la haute trahison. Le président de la République n'est pas un citoyen ordinaire, quel qu'il soit. Le président de la République est le chef des armées. Le président de la République incarne la nation. Et le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Et qu'est-ce qu'on voudrait ? On voudrait que le président de la République soit finalement moins protégé que le ministre, que l'ambassadeur, que le parlementaire. Écoutez, on demande l'application de la Constitution. Dans ce pays, quand on demande l'application de la loi et de la Constitution, on passe pour un olibrius. Quant à la haute trahison, il est exact qu'il n'est pas aujourd'hui, dans ce petit document, accusé de haute trahison. Ce n'est pas de la haute trahison, ni de la basse, d'ailleurs. Ça ne peut pas aller plus loin. Il est simplement accusé pour des faits commis antérieurement à son accession à la présidence. Il n'y a pas de loi. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de loi qui prévoit ça. Le Conseil constitutionnel a dit le droit et a dit, s'agissant des malversations commises avant l'arrivée sur le trône présidentiel, il doit en répondre devant la haute cour, mais sur le droit commun, c'est-à-dire le code pénal que vous et moi sommes obligés de respecter. Vous et de ce quoi, point de vue-là, je n'ai pas trouvé contradicteur. Mmh. Donc, vous vous dites, il n'y a pas haute trahison, donc il n'y a pas de raison de faire cette proposition de résolution. Je dis, en réalité, il y a des arrière-calculs évidents derrière cette proposition ainsi que celle qui a défendu le groupe socialiste en faisant semblant de désavouer mon collègue, c'est évident que, je répète, petit à petit, on instille le venin, on laisse filer les rumeurs, la campagne présidentielle est lancée, et je ne sais pas s'il y a un cabinet noir à l'Élysée, par contre, ce que je sais, c'est que certains sont prêts à tous les coups bas à gauche pour déstabiliser le président de la République. Écoutez, moi, je n'ai qu'un conseil à donner à Thierry Mariani, qui va aller faire son rapport rue du Faubourg-Saint-Honoré par téléphone ou de visu. Mais pas du tout, puisque la télé. Je vais lui dire... C'est pas la peine, il suffit de regarder la télé. Il devrait conseiller au président de la République se défendre, et de se défendre selon les voies de droit. Il y en a un qui a fait cela, c'est M. Fabius dans l'affaire du sang contaminé. Il s'est accusé d'un délit qu'il n'a pas commis, qu'il n'avait pas commis. Pour pouvoir se défendre. Exactement. Et il a trouvé 58 signataires de ses amis politiques pour le faire. Il a eu droit au secret de l'instruction, à la présomption d'innocence, et il a pu faire valoir ses arguments. Et pourquoi vous avez pas proposé ça plutôt ? Mais je passe mon temps sur les ondes présidentielles. Mais je passe mon temps depuis des semaines à demander à M. Chirac qu'il ne dise qu'un mot. J'accepte la haute cour et nous parlons d'autre chose. Mais pourquoi ne le veut-il donc pas ? Qu'a-t-il donc à craindre puisqu'il est innocent ? Le rêve finalement de mon collègue, c'est de voir le président de la République quasiment à la corde au cou et les menottes au poignet dans un prétoire pour pouvoir témoigner. Non, c'est pas assez, ça, Thierry Mariani. C'est pas ça qu'il dit. J'en Mando. Ai assez de Mando, il dit s'il est innocent. Non, ce qu'il dit, c'est plus malin que ça. Il dit s'il est innocent, qu'est-ce qu'il risque ? Et dans ce cas-là, pourquoi il n'a pas demandé depuis plusieurs années ? Ouais. On ne demande pas ça à 12 mois des élections présidentielles. Les ordonnances viennent de sortir, ouais. La dernière date du mois d'avril. Ça fait 12 mois, ça fait bien plus de 12 mois qu'on connaît effectivement ce genre d'affaires. Votre initiative aurait été plus crédible si elle avait été demandée il y a 2 ou 3 ans. La demander quelques mois avant les présidentielles, et je répète, j'ai pris des paris, avoir mois après mois des députés qui vous rejoignent, ça laisse quand même, de manière évidente, supposer quelques calculs politiques. Merci. En tous les cas, il est venu. Il est venu. Alors, Thierry Mariani, tant qu'on vous tient... Donc vous êtes contre les rêves, enfin vous êtes pour le contrôle des rêves. Je suis pour la limitation des rêves partis. Très bien. Pour faire en sorte qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Voilà. Vous êtes pour la libération de Michael Blanc. Tout à fait. Alors vous occupez des frégates là, de Taïwan. Je crois qu'il y a un certain nombre... Ça c'est intéressant aussi. Il y a des enquêtes qui ne sortent pas.
ouais. des enquêtes qui ne sortent pas. Je lisais par exemple le Nouvel Observateur cette semaine, l'affaire des frégates, mon collègue doit le savoir, c'est 3 à 4 milliards, avec des rétrocommissions qui sont revenues en France. C'est une affaire qui n'a toujours pas été ouverte, je crois, ouverte. On a jeté un peu en pâture aux Français la partie immergée de l'iceberg. On nous a parlé de Christine de Viejancourt, on nous a parlé de Roland Dumas. Et pardonnez-moi, une partie de vos amis se sont empressés de le lâcher, tirant un peu sur une ambulance. Mais l'essentiel de l'affaire, l'essentiel des commissions, on attend toujours la vérité. Et si la justice doit avancer, elle doit avancer sur tous les dossiers. Et j'aurais apprécié que mon collègue ait la même pugnacité sur un certain nombre de dossiers. C'est vrai qu'il concerne l'époque Mitterrand. Et depuis que pendant ces 14 années, on n'a pas encore fini de faire l'inventaire. Mmh. J'ai condamné en son temps le comportement de M. Jean-Christophe Mitterrand. J'ai demandé, j'étais le premier, j'ai reçu des injures, y compris de la droite qui défendait Dumas. Une partie de la droite défendait Dumas. Après le service que Roland Dumas avait voilà, rendu à Chirac, vous le ressentez c'est comme normal, moi. Oui. Et, j'ai été injurié parce que j'avais osé demander la démission du président du Conseil constitutionnel, Roland Dumas. Ouais. Je pense que si, en effet, il doit y avoir des enquêtes qui doivent avancer, celles-là font partie de ces dossiers. Et vous avez mon soutien sur ce sujet, et absolu, et ferme, et public. Donc, bien. Je pense que si on s'aperçoit qu'effectivement, une certaine partie de ces sommes ont financé des partis au pouvoir à l'époque, il faudra se souvenir qui était le premier secrétaire à cette époque, qui était Lionel Jospin. Très bien. Merci d'être venu nous voir. Merci Thierry Mariani. À bientôt. Voilà. Thierry Mariani, député RPR du Vaucluse et maire de Valréas. Alors Arnaud Montebourg, on va voir, vous croyez en beaucoup de choses, en tous les cas, vous croyez en la République. On va voir en quoi vous croyez d'autres et on va faire une interview croyance. On ne bouge pas pendant le jingle. Est-ce que vous croyez en vous ? Pas tellement. Ah bon ? C'est pas l'impression que vous donnez en tous les cas. Mais écoutez, on a tous nos faiblesses, ouais. On réfléchit, on hésite, la vie est difficile ouais. quand même. Est-ce que vous croyez au pouvoir de Superman ? Je préfère Clark Kent, préfère plutôt que Superman. Vous croyez au Père Noël ? J'y ai cru. Ouais. Pas longtemps, mais j'y ai cru comme tout le là, monde. Là, c'est fini, là. Oui, je le crois. Est-ce que vous croyez que Lionel va être président ? Je l'espère. Est-ce que vous croyez au sexe sans amour ? Je n'y crois pas, je le constate. Est-ce que vous croyez à l'amour sans sexe ? Oui. Est-ce que vous croyez à la mort d'Elvis Presley ? Je n'ai pas de preuves. Est-ce que vous croyez en Dieu ? Non. Pourquoi ? Je n'ai pas réussi. Ah ouais ? J'ai essayé, mais je n'y suis pas parvenu. C'est pas dur ? Chacun fait comme il peut, vous savez. Est-ce que vous croyez dans la justice de votre pays ? J'essaie de plus en plus d'y croire en m'efforçant de l'améliorer. Est-ce que vous croyez à la réincarnation ? Pas du tout. Est-ce que vous croyez qu'on peut manger des fruits de mer, même dans les mois pas en air ? Je n'y ai pas réfléchi, mais je pense que ça peut être possible, avec le surgelé. Avec le surgelé. Est-ce que vous croyez que cette interview est terminée ? Je l'espère. Arnaud Montebourg, proposition de résolution chez De Noël. Oh non. En tout cas, je vous avais dit. Et maintenant, je me mettrai là, je prends les talents. Parce qu'il va venir. Merci. Voici Louis Nicolas. Louis-Nicolas, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous connaissez donc Arnaud Montebourg, Sophie Thalmann, je ne vous la présente pas, effectivement, puisqu'elle s'occupe de Téléfoot et ça recommence à la rentrée, on est ravis pour elle. Alain Laroche, donc, vous connaissez Laroche ? Ben oui, l'OM. L'OM, ah oui. Vous avez été cité par Tapie comme témoin, donc vous connaissez l'affaire de l'OM. Et Doc Gineco, alias Bruno Bossir. Extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. Alors, vous êtes PDG du groupe Nicolin, qui est spécialisé dans l'enlèvement de déchets urbains et industriels. Ça fait quand même 875 millions de francs de chiffre d'affaires. Dans de nombreuses grandes villes de France, on ne va pas les citer, mais enfin, il y en a beaucoup. Et dernièrement, alors je le dis à tous les potes de Doc Gineco, vous avez gagné l'appel d'offres pour l'enlèvement des tags à Paris. Très juste. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois que vous taguez un mur, vous enrichissez Louis Nicolin. J'essaierai d'en faire d'autres. C'est un forfait. Ah, c'est un parfait. Alors, vous êtes également propriétaire des tissus provençaux Souleyado, que vous avez racheté à la famille de Méry. C'est juste. De la manade de Jean Lafont. Très juste. Élevage de taureaux, élevage de chevaux.
Moi, je connais tout ça parce que j'ai fait mes études à Montpellier. Oui, oui, je sais. Je connais bien les deux mairies, je connais bien la Churrascaïa et la Malade de Jean Lafont, donc c'est des choses... voilà. Mais ça marche toujours, la Churrascaïa? Une fois par mois. Une fois par mois. Ah, ben, c'est pas beaucoup. Nous, à notre époque, c'était tous les samedis. Oui, je sais, mais... Ah ouais. Ça vous amuse pas, ça? Si, ça m'amuse, mais j'attends que Corti revienne. Ah, Corti. Bien. Et puis, vous êtes aussi propriétaire du Mas Saint-Gabriel, donc domaine agricole de 800 hectares entre Montpellier et Lunel. Bon, ça, c'est déjà une chose. En plus de ça, vous êtes président du club de foot de Montpellier, qui s'appelle le Montpellier Héros Sport Club, du club de rugby de Béziers et du club de basket du PSG. Voilà. Donc, quand même, PBR. Hein, PBR, Paris, ouais. Basket Racing. Voilà, Paris Basket Racing, ça fait pas mal, ça roule pour vous, Loulou? Ça roule, le basket, ça roule pas trop. Hein. Ah ouais. Ah bah, on a été nul. Ah bon? Très nul. Très nul, bien. Ah, excuse-moi de te couper. Avec plaisir, mon pote. J'ai quelques copains et qui aimeraient entrer en centre de formation. Au foot? Ouais. Mais à Montpellier, ils vont préférer aller à Paris, non? En D1. En direct en D1. Ah ouais. 300 000 par mois. Ensuite, est-ce que je pourrais te donner leur contact? Mais avec plaisir. Tu viendras nous voir. C'est pour apprendre. On rigolera bien. Voilà Montpellier. Okay. Ouais. Voilà Montpellier voir Louis. Bien. Alors, pourtant, bah, effectivement, au départ, d'ailleurs, ça va donner de l'espoir à tout le monde, parce qu'au départ, vous avez commencé un petit peu difficilement. Hein. Maintenant, vous êtes milliardaire, vous gérez plein de clubs de sport et tout. Ça, c'est vous qui le dites. Au départ, c'est pas évident. Alors, on va parler un petit peu de vous. C'est dingue. C'est pas milliardaire quand on vend. Hein. Alors, Louis, vous êtes né en 1943, à Valence, dans la Drôme. Vous avez passé votre enfance à Lyon. Alors, votre père, Marcel, était conducteur d'autorail dans les années 30. Et puis un jour, il a reçu une paille d'acier dans l'œil et il a perdu l'œil. Il a quitté évidemment les chemins de fer. Et puis il a monté une entreprise de vente et de livraison de charbon à Lyon, dans la banlieue de Lyon. Et en 1952, la ville de Lyon a été paralysée par une grève des éboueurs municipaux. Et le maire de la ville, le célèbre Édouard Herriot, a fait appel à toutes les bonnes volontés. Et votre père, Marcel, a proposé non seulement ses deux camions, mais ses bras. Et en remerciement, il a obtenu d'Edouard Herriot le ramassage des poubelles à Lyon. Alors voilà, il a fait fortune après. Et vous avez été longtemps complexé par le succès de votre père. Et vous dites souvent, mon père s'est élevé avant moi. Ben, je pense qu'il faut le reconnaître dans la vie. Ouais. Quand on a un père qui s'est élevé avant soi, il faut le dire pour avoir honte de le dire. Ouais. Maintenant, vous savez, succéder à un père et garder l'entreprise, mais c'est déjà pas mal. Vous êtes très modeste, mais en fait, cette entreprise, vous l'avez énormément développée. Je fais confiance à vos fiches. Dans de nombreuses villes que je ne citerai pas, mais c'est vrai. Alors, scolarité pas terrible, hein, viré des jésuites, il a été viré tout de suite, là. Tu rigoles, toi. De Sainte-Hélène. Hein, et puis, il s'est retrouvé dans une boîte à bac pour gosses de riches, le cours Pascal, que des branleurs. Là. Complet. Mais il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas réussi après. Ouais, ouais, que c'est des marrant, branleurs. Ça, ouais. Ouais, ouais, comme quoi. Hein. Alors évidemment, le jeudi, vous alliez faire du foot avec l'équipe du lycée. Vous avez rencontré Dinalo, parce qu'il rodait autour de Gerland. Et vous étiez intéressé par tous les sports à l'époque. Hein, vous... Oui, j'ai toujours aimé ça. Puis il y avait un magazine, Puté Club, et puis Miroir Sprint, ouais. Tour de France, trois par semaine. Ouais. J'avais une grand-mère qui m'achetait tout ça. Et ouais. Ça vous a filé le virus. Ça m'a passionné. Ouais, ça l'a passionné, voilà. Alors, les études, bon, pas terrible. Vous avez essayé trois fois d'avoir le bac. Vous l'avez eu finalement? Non. Ah, vous l'avez jamais eu? Dreyfus 4. Hein. Ah, Dreyfus 4, oui, en même temps. Il l'a dit à cette émission. Il perd plus de pognon que vous. Vous ne regrettez pas aujourd'hui d'avoir pas travaillé un petit peu à l'école, quand même? Ben, on regrette toujours, parce que surtout quand on est en face de gens, je ne vais pas parler d'Enarc, mais d'ingénieurs et tout, et c'est vrai que j'aurais fait des études d'ingénieur. Je pense que quelquefois, j'aurais pu placer un peu mieux mon entreprise. Sûrement. Mais enfin. Bien sûr. Bon, enfin, en tous les cas, c'est comme ça. Alors, votre père, bah, il vous voit rater les études, il vous fait travailler comme éboueur. Très hein, juste. Et alors, vous dormiez sous le camion. Ça m'arrivait. Et alors, son père, c'est terrible. Pour voir comment il bossait, son père, il suivait la benne avec la 404 rouge. Très juste. Et ça, c'est pas de la rigolade. Hein. Et il vous suivait, il regardait. Ah, il suivait, hein. Il regardait comment ça se passait. Et ça énerve. Pour vous surveiller. Pouf. Et là, bon, ben voilà, vous découvrez le monde du travail, ça vous a sans doute fait du bien, vous découvrez les premières cuites au gros rouge avec le casse-croûte, quoi. À quelle heure? À 9h du matin? Plutôt 7h. Plutôt 7h, du coup. Torché à 7h. Non, mais je crois que le meilleur de tout, c'était la douche après le boulot avec le personnel. Ouais. J'étais quand même le fils du patron. Et vous étiez du côté des ouvriers parce que c'est vous qui demandiez les augmentations de salaire?
pas tout à fait, mais j'aurais pas été patron, j'aurais été con. Ouais, ouais. Voilà, donc en 67, votre père décroche le contrat de Montpellier. De Montpellier. Et alors à cette époque, vous devez vous marier avec une Byzantine. Putain, mais quoi, vous savez ça? Ouais, je sais tout. Avec une Byzantine. T'es ma femme, va pas être contente. Ouais. Elle le sait. Hein. Elle le sait. De toute façon, heureusement que ça s'est passé comme ça, parce que le jour de la noce, tout était prêt. Et le bruit se casse. Ouais. Pourquoi? Elle était pas bien, elle était pas bien, la fille? C'est mes copines de Saint-Fond qui m'avaient dit: tu fais la plus grosse connerie de ta vie, te marie pas. Bon, bah, et comme un con, je les ai écoutés. Voilà. Enfin, comme un con, finalement, j'ai eu raison. Pas, parce que votre femme aujourd'hui, voilà. Charmante. Colette, elle est charmante. Ouais, Colette, adorable. Adorable. Elle dirige Soleilado en plus, donc ça va bien. Alors voilà, donc vous échappez. Le jour du mariage, il s'échappe. Pas tout à fait, une semaine avant. Ah, une semaine avant. Et vous filez à Montpellier. Voilà. Mais avec votre passion du foot qui est toujours intacte, hein. Vous travaillez donc sur l'entreprise de votre père. Alors quand vous arrivez à Montpellier, il n'y a pas de club. Vous faites un club corpo. Oui, très juste. C'est quoi? C'est un club des boueurs, quoi. La formation sportive du Nantouan. Ah ouais. Voilà. Ouais. Vous prenez les mecs qui ramassent les poubelles et vous faites un club. Au départ, c'était des mecs qui ramassaient les poubelles, puis après, on a un peu amélioré. Bah, vous êtes fusionné avec la paillade. Ça commence en quelle division? T'as commencé où? Promotion d'honneur. Promotion d'honneur, ah ouais. Qui commence par là ouais. Aussi. Ouais. Alors après, vous fusionnez avec le club de la paillade. Très juste. Et vous parlez toujours des vertus paillardines. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment la base du système, quoi. Bah oui, parce que c'est un stade de quartier. On a reçu des grandes équipes en Coupe de France. Et je reconnais quand ils arrivaient dans ce quartier de la paillade, un peu chaud, gitan, un peu tout, ils avaient un peu peur. Ouais. Je me rappelle de Sinaguel avec Metz, je me rappelle la grande équipe des Verts. Ils avaient un peu chaud. Ouais. Et puis, on réalisait quelques exploits en Coupe de France. Des tribunes en bois, en plus. Tribunes en bois, 300 personnes. Alors, parallèlement au développement de vos affaires, vous développez le club. Et c'est vrai qu'à l'arrivée de Fraîche, quand Fraîche a été élu à Montpellier, ça vous a donné un coup de pouce quand même. Ben c'est plutôt qu'en 74, quand on a démarré, le maire de l'époque, Delmas, ne voulait rien entendre du sport. Et en 77, finalement, on a eu la grande chance d'avoir Georges Fraîche qui, d'entrée, nous a permis de passer professionnel et de mettre la main au bassinet. Et parce voilà. Que tout seul, comme ça... Puis en plus, j'étais pas tout à fait patron. Hein. Ouais. C'était encore mon père. Hein. Ouais. Bah oui. Donc 81, division. Hein. Très juste, mais rapide. Hein. Ouais. Bah oui, je raconte pas tout, mais voilà, vous êtes parti d'un club corpo. C'est vrai. Et vous avez amené en division, hein, quand même. Très juste. Oui, 81, division. Voilà. En combien de temps, quoi, ça a pris quoi? Eh bien, en 74, 7 ans. 7 ans, oui. Hein, le temps du septennat de Giscard. Voilà. Hein. Alors, vous vous donnez à fond, bon, là-dedans, dans le foot, mais vous n'êtes pas foot business. C'est pour ça que c'est intéressant que... Hein, La Roche soit là, parce que vous avez du mal avec le foot business, quoi. Puis c'est dur, même. C'est-à-dire, tout ce que vous avez fait, vous... Les recherches de sponsors, les loges VIP, le merchandising, tout ça, vous avez du mal, quoi. Est-ce que c'est difficile ou ça vous intéresse pas, l'entrée en bourse et tout ça? Jusqu'à présent, non, ça m'intéresse pas, ça. Non. Vous pensez pas que... Je me vois pas faire demain du pognon avec le football. Hein. Voilà, c'est ça. Ah, ça, je m'y vois pas. Le pognon, vous le faites dans votre business, mais quand c'est le foot, vous voulez pas mélanger les choses? Non. Au passage, là, vous en pensez quoi de son affaire, là? Je pense que Tapie aurait pas fait de politique... Je pense qu'il y a certaines choses qui se seraient peut-être arrondies. Ouais. Mais il voulait vous partager faire. Un petit peu son avis, quand même. Je pense que Tapie en a trop fait. Ouais. Maintenant, c'est son droit. Ouais. Vous, finalement, vous n'êtes jamais mêlé de politique. Hein. Interdit, ça. Ouais. J'ai passé un accord. Fait des affaires, du sport, mais la politique, vous n'avez jamais touché, vous. Non, parce qu'en plus, on a un maire à Montpellier... qui en fait pour vous. Même si vous n'êtes pas d'accord avec lui politiquement, il en fait pour vous. À Montpellier, je vote socialiste. Ouais, ah ouais. Oui. Votez Fraîche. Oui, après, quand c'est national, je m'excuse, hein. Et un patron, c'est rare qu'il soit de gauche, hein. Il y a des hibiscus à Montpellier. Des hibiscus? C'est le plus haut. Bien sûr. Il y a tout à Montpellier. Bien, alors oui, vous avez fait une saison en D2 et ça vous a quand même un peu, hein, ça vous a un peu fait réfléchir, Louis. Hein. Ça m'a fait réfléchir. J'ai fait un bilan des erreurs, hein, quand même, là. Sacré paquet de conneries. Ouais. Mais le recrutement, c'est vrai qu'à une époque, enfin, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais à une époque, vous avez recruté Julio César, Cantona, enfin, vous avez... Ça, c'était la bonne époque. Ça. Ouais, vous avez emmené quand même le club très loin. On a gagné la Coupe de France. Hein, on a gagné la Coupe de France. Oui, mais en même temps, financièrement, c'était cher, quoi. Moins 40. Et voilà. Arrivé. Alors vous dites d'ailleurs maintenant, je m'interdis de péter les plombs. Donc vous êtes un peu calmé finalement, auto-calmé. Oui. Enfin, je repartirai peut-être en dérive. On verra santé. Ça.
Ouais. Sur le banc de touche, il est quand même chaud. Hein. Ouais, ah il est ouais, formidable. C'est excellent. Vous l'aimez, vous, hein? Ah oui, mais j'ai eu la chance de l'interviewer et c'était un grand moment. Je l'ai même fait monter à cheval. Et toi aussi? Pauvre oui. bête. Non. Pauvre. Oh, oh non, non, non. Alors, le sport vous je coûte... Je me suis affiné. Là, vous êtes mieux, là, oui. Le sport vous coûte de l'argent, Louis. Mais vous en rapporte aussi, parce que le sport, comme le foot, ça vous ouvre des portes pour vos affaires, non? Ça ouvre. Mais vous savez, il y a un sport qui ouvre plus les portes que tout, c'est le rugby. Ouais. Ah oui, c'est meilleur pour les affaires. Oui, c'est convivial. Ouais. Beaucoup plus convivial que le football. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de gens qui parlent vrai dans ouais. le rugby. Ouais. Je ne dis pas que dans le football, ils ne parlent pas tous vrai, mais enfin, ouais. y a pas mal de faux culs. Ouais. Est-ce que le fait d'être franc-maçon, ça aide dans vos affaires? Franc-maçon, c'est la blouse en attends, violette. Je ne sais rien, j'ai une chie, moi, déjà. Ça fait 19 ans que je suis toujours apprenti, alors tu vois un peu les fois que j'y suis allé. Ah oui, d'accord. Donc, ce n'est pas la franc-maçonnerie qui vous aide? Faire ses devoirs, ou je ne sais pas comment ils appellent, les planches, ça, ouais. ça me fait mal à la tête. Fatigue. Hein. Vous êtes toujours aussi, ouais. Vous êtes comme à Sainte-Hélène, quoi. Vous êtes toujours aussi réfractaire aux études, que ce soit chez les jésuites ou chez maintenant, les formateurs. Si un jour ça me plaît, ben, ouais. j'irai. Ouais. Mais, bon, pour vos affaires, il y a le foot, bon, la franc-maçonnerie, apparemment, c'est pas votre truc. Non, non, bon. Y a beau, beau, beau. Mais de temps en temps, vous filez quand même un petit bacchiche. Ah, qu'il est beau. Non, non, jamais. Bah. C'est interdit, oh. Louis. C'est interdit. Louis. Qu'est-ce qui s'est passé à la Réunion, Louis? Ça, je savais que... Louis. À la Réunion? Louis. J'ai rien fait du tout. Oh. La preuve, j'ai eu... Vous avez mis de l'argent... Vu, attendez, moi, je vais vous dire ce que vous avez fait. Vous allez me dire, c'est pas grave. C'est un phénomène, ça. Vous avez mis de l'argent... Vous avez mis de l'argent dans l'affaire du fils du maire de Saint-Pierre-de-la-Réunion. Non, de l'adjoint au maire. De l'adjoint au maire, voilà. Vous des avez mis poulets. 200 000 francs. Des poulets. Des quoi? Il voulait élever des poulets, le mec? Hey, il vend des boîtes à caca. Non, d'ailleurs, c'est très drôle, votre histoire, parce que... C'est vrai, c'est plus drôle que... Quand Nicolas se retrouve devant le juge à Saint-Pierre-de-la-Réunion, le juge lui dit « Et vous, monsieur Nicolas, qu'en pensez-vous » Et Louis lui répond « Ben moi, je pense qu'on n'est pas dans la merde. » C'est vrai, en plus. Ouais. Donc, vous avez mis 200 000 balles dans ouais. une affaire du fils de l'adjoint au maire de Saint-Pierre-de-la-Réunion en pensant que ça allait vous aider pour vos affaires, Louis. Je dis la vérité. Bah oui. Oui. Ici, oui. Bah. On n'est pas au tribunal, si vous pouvez dire la vérité. Oui, remarque. Moi, je dis toujours la vérité. Oui, monsieur, c'est. Même quand je mens, c'est vrai. T'as raison. Ouais, ça vous aide. T'es hein. pire que Baffy, toi. Oh. Ouais. Non. Il va rester. J'ai attrapé son syndrome. Bon. Tapi, vous avez fait citer comme témoin à son procès. Pourquoi? Pour dire que tous les clubs faisaient la même chose que disait Laroche tout à l'heure? Non, pas du tout. Je pense qu'il m'avait cité parce qu'on avait fait la Coupe d'Europe en même temps que l'OM. Ouais. Et il voulait me faire parler comme quoi on donnait des cadeaux aux arbitres, ouais. des repas. Donc ouais. ça coûtait excessivement cher. Voilà, ouais. Bon, y aller. Je pense que j'ai pas eu tort parce que dans la vie, quand un gars est dans la merde, ouais. je pense qu'on se doit d'y aller, on doit être solidaire. Bon, j'y suis allé. Ça s'est bien passé et à la fois mal passé parce que moi je riais et le président il rigolait pas. Ouais, vous étiez affalé. Pour une fois, c'est que j'y allais et que je risquais rien. Ouais. Je me suis fait filer un carton rouge quand même. Vous en pensez quoi, Arnaud Montebourg, de toutes ces histoires du foot, vous? Bah, qu'une tradition du football populaire, enracinée, est en train d'être menacée par l'arrivée massive du football capitalistique. Mmh. Moi j'ai, business, une petite, ouais. j'ai une petite équipe qui est Lou en cuiseau. Qui bien. Souffre. Je connais ouais. bien votre président. Jacky Durier, qui ouais, est oui. votre homologue. Et qui est un collègue. Et qui ils se battent. Ouais. C'est un football de territoire, de ouais. l'identité d'un territoire. Ouais, ils sont laminés, pas seulement chef. Par l'argent, mais aussi chef. Par le pouvoir sportif qui accompagne finalement la concentration des moyens mis à la disposition des clubs. Ouais, mais nous, on est passé comme l'eau en cuiseau dans ces divisions-là. Hein. Voilà. Donc je ne peux pas raisonner comme les autres. Hein. Voilà. Non, mais j'ai compris de où vous étiez. Hein? J'ai compris. Voilà. Et vous pensez quoi du classement de D1 qui va changer à cause de la plainte de Toulouse? Il se casse les couilles. Hein. Ouais. Pourtant, Flelou, il a essayé, là, cette semaine. Oui, non, mais il essaye tout, lui. Il a essayé de filer du pognon à Toulouse pour que ça s'arrange. Ouais. Il reste à Créteil. Il ouais. était à Bordeaux. Il est passé à Créteil. Et maintenant, il va aller filer des soins à Toulouse. Ouais. Qu'il vienne, qu'on joue à Flelou, tout va bien. Ouais. Non? Ce ouais. serait sympa. Ça vous embête ce déclassement de Nantes et tout ça dans le classement? Ah non, je pense quand même que Lyon sera, même que je sois lyonnais, Lyon ne sera pas champion de France. Ça, ouais. c'est impossible. Ça. Bien. Alors, comme vous le remarquez, ce soir, c'est peut-être l'influence de Sophie Thalmann. C'est un spécial téléfoot qu'on fait là. Ouais, je crois alors. C'est incroyable. Ouais. Vous avez une influence sur moi, c'est incroyable. Ah, ouais. agréable. Ouais. Il fallait se mettre au foot. Elle est mignonne, hein. J'avais pas vu qu'elle était nue derrière. Ah oui. Oh,
Bien, Louis-Nicolas, on va vous faire une interview Technicolor. Ne bouge pas pendant le jingle. Très simple. Qu'est-ce que c'est Technicolor? Qu'est-ce qui vous rend, solide, Louis-Nicolas, vert de rage? Vert de rage? Défaite. Ah ouais. Qu'est-ce qui vous rend rouge de honte? Quand je parle mal. Les gros mots. Ouais. Ça arrive quand même sur les bandes touches. Ben, et surtout à la télé. Ah ouais. Ben là, ce soir, ça va. Hein. Ouais, pour le moment, c'est ouais, pour le moment, ça va. Qu'est-ce qui vous rend bleu de peur? De descendre en des deux. Ah ouais, ça y est, c'est réglé, ça. Ça peut revenir. L'année prochaine. Ouais. Qu'est-ce qui vous rend rose de bonheur? Rose de bonheur? Ouais. De regagner la Coupe de France. Merci. On arrive. Et maintenant, voici Claire Legendre. Claire Legendre, bonsoir. Vous étiez qualifié de jeune prodige pour Making Of. Votre ça c'est une merde que ma fille vous a laissée, on n'arrive plus à s'en débarrasser. C'est un herpès télévisuel, ça s'appelle. Donc qualifié de jeune prodige pour le mec, pour Making Of, pardon, votre premier roman publié quand vous aviez 18 ans. Et puis vous avez été qualifié, mais par vous cette fois, de vraie petite salope. Maintenant je le dis parce que bon, j'ai pris l'habitude, mais ouais, au début je peux pas dire que ça me faisait franchement plaisir. Ouais. C'est pas, c'est plutôt un compliment, non? Si c'est dit la journée, non. Après, on... Hélas, ouais, n'importe quoi. Si c'est dit la nuit, c'est mieux. Oui. Ouais. Donc, Vraie Petite Salope pour Viande, qui est votre deuxième roman, donc publié, c'est Grasset, voilà. Et maintenant, vous publiez Le Crépuscule de Barbe Bleue, qui est un recueil de nouvelles chez Grasset. Vous savez comment on fait? Montebourg, il l'a fait pour lui. On avait parlé d'un compromis. Mais... Oui, c'est un compromis, mais là, c'est de l'égoïsme, Arnaud. Non, c'est... Je reconnais pas, non. La lassitude. Hein. L'égalité dont vous nous rabattez les oreilles, là, c'était le coup de le prouver. Bien, enfin, vous avez été pas mal, je veux dire. Honnêtement, vous avez fait un effort. Bon. Alors, Le Crépuscule de Barbe Bleue, donc, voilà, c'est votre nouveau bouquin. Recueil de 11 récits, mettant, pour les 10 premiers, en scène, la mort réelle ou rêvée ou symbolique d'une femme. Et pour le 11e, c'est l'héroïne qui tue un homme. Voilà. Alors, les femmes ont entre 3 et 82 ans. Et vous dites que, finalement, les différentes femmes constituent les différentes facettes d'un kaléidoscope qui serait un petit peu la femme d'aujourd'hui. Oui. Non, bah, elles sont très différentes les unes des autres. Il y en a qui sont mignonnes, il y en a qui ne le sont pas, il y en a une qui est vieille, il y en a une qui a 3 ans. Donc, oui, la plupart du temps, il y a quand même une constante, c'est qu'elles sont passionnées, abandonnées, entières. Oui. Vous dites, quand un homme tue une femme, c'est pour prolonger son histoire avec elle. Et quand une femme tue un homme, c'est pour clore l'histoire. Ouais, ils sont un peu cons, les mecs, hein, quand même. Il y a 10 femmes qui meurent. Donc, la première, elle meurt quand un rasoir électrique tombe dans la baignoire. La deuxième, elle est poussée d'un bateau. Il y en a une autre qui est piétinée par des fans hystériques. Et une autre qui est un modèle assassiné par un peintre. Vous dites, moi, j'ai un petit peu de mal à me résigner à ne pas être une héroïne de roman. Alors, je l'écris. Ouais, non, c'est, enfin, j'ai du mal, mais en même temps, c'est très satisfaisant de les imaginer. Ouais. Mais je pense que, ouais, si j'avais une vie à la Scarlett O'Hara, si j'avais un physique, enfin. Qu'est-ce qu'il y a votre physique? J'ai lu beaucoup de choses où vous aimez pas. Il faut arrêter, hein. J'ai les oreilles décollées comme Sophie Tellman. Faites mais voir. Elle les cache bien aussi, alors. Ah oui, oui, c'est vrai quand même. C'est vrai. Oui. Faut reconnaître que vous, c'est, excusez-moi, elle, c'est moi. Ouais, vous voyez la différence tout de suite. Non, mais ça va, arrêtez. Elle a très beaux yeux. Alors, vocation précoce. Ouais, enfin, j'ai commencé tôt, mais j'ai grandi dans un théâtre, alors ça, ça aide. J'avais le choix entre comédienne et écrire, donc voilà. Bien avant Viande, qui est donc, comme on le disait, votre deuxième livre, vous aviez déjà des aspirations à la masculinité. À l'âge de 9 ans, vous vouliez déjà écrire comme un mec. Et vous faire passer pour un mec de 40 ans, vous auriez voulu être un garçon? Ouais, j'aimerais bien, ouais.
Pourquoi? Vous croyez que c'est drôle? Pour pouvoir faire comme lui qui dit plus rien. Ça me ferait bien marrer. Ça vous plairait d'être Dot Gynéco? Comme lui. Ouais. Tu aimerais. Elle voudrait être, elle voudrait être toi, Bruno. Ouais. Elle voudrait être toi. Tu ne voudrais pas du bliss. Hein. Tu n'aurais pas beaucoup de bonheur dans la vie. Mais tu sais, alors, vous n'avez pas lu le deuxième bouquin, Viande. C'est une. L'héroïne, Suzanne, s'invente une bite. Et pour baiser. Elle ne se l'invente pas, elle l'a pour de vrai. Oui. Hein. Évidemment. De quelle dimension? Ah, il faut lire le bouquin. Voilà. Ça, c'est de la bonne promo. Voilà. Elle a une bite et elle s'en sert. Voilà. Est-ce que ça t'intéresse un peu? Il fait mal. Hein, ouais. Voilà. Vous voulez être un mec? Ouais, j'aimerais bien. Vous voulez pas être hermaphrodite? Non, non, pas si trop. Tu savais comme c'est sale d'être un mec. Mais c'est drôle que tu dises ça, parce qu'au contraire, c'est vrai, hein, Claire, vous dites, finalement, ça vous plaît pas d'être une fille parce qu'il y a des poils, il y a la sueur, il y a les règles. Vous dites qu'il y a une certaine abjection dans la féminité. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. C'est pas très gay, alors, hein, d'être femme comme ça. J'ai la solution du problème de Claire Legendre. Claire Legendre, comme Méline. Méline ! Méline ! Claire Legendre, comme Méline. Tu as trois reins, Méline. Méline a trois reins. Claire Legendre aussi. Ouais. Quand on a trois reins, on a trois glandes. On a trois glandes surrénales. Donc on sécrète plus d'hormones mâles qu'une femme normale. Waouh. T'imagines ça? Une fille qui a trois reins et plein d'hormones mâles? Une fille qui a trois reins? Trois reins. Faudra en passer un. Ah, moi qui suis docteur, tu dois. Oui, oui. Honnêtement, je crois qu'après l'émission, Doc Gynéco va vous faire une première consultation. Hein, parce que là, vraiment, ça vaut le coup. Hein, Bruno? Oui, c'est vrai qu'il faudrait faire un don, là. Oui. Tu en as trop. Alors, Claire Legendre, vous êtes la cliente idéale pour un anti-portrait chinois, Didier. On ne bouge pas pendant le jingle. Donc vous connaissez le portrait chinois, si j'étais une fleur, je serais un myosotiste. Enfin, bon, ça c'est l'anti-portrait chinois. Ouais. Par exemple, si vous étiez une injure. Il y en a une très belle dans Full for Love de Sam Shepard, c'est beurre-moi pas de ta merde. Oui, d'accord. Si vous étiez une maladie. La syphilis. Si vous étiez un accident. Une rupture d'anévrisme. Parce que ça arrive brutalement comme ça. C'est un accident, mais interne. Ouais. Une perversion. Se ronger les ongles. Si vous étiez une guerre. Une guerre civile, une révolution. Si vous étiez un vice. Le voyeurisme. Si vous étiez une trahison. L'adultère. Une arme. Une arme blanche. Un supplice. Le supplice des 100 morceaux. C'est quoi? Il y a une photo dans les larmes des roses de bataille avec un chinois qui se fait découper en morceaux et on voit son regard extasié. Mais c'est vrai que vous avez découvert Bataille à l'âge de 15 ans, vous. Ouais. Et dans Viande, c'est dans Viande où il y a Pierre Angélique, et ouais. Dédié à Pierre Angélique, c'est ça? Si vous étiez une cicatrice? La césarienne. Si vous étiez un poison? La digitaline, parce que Guibert s'est suicidé avec la digitaline. Ouais. Et il en faut 60 gouttes pour mourir, donc au moins je connais les deux. Ouais. Si vous étiez une salope. Voilà. Non, j'hésite entre Lady Macbeth et Monica Lewinsky, mais. Ouais. Un peu les deux, quoi. Wow. Un impôt. Wow. Un impôt. La lune. Louis, tu te fais du mal pour rien, là. Si vous étiez un impôt. Ah oui. Le droit de succession. Si vous étiez une panne. De ne pas savoir répondre à une de vos questions. Un dictateur. Dieu. Une infirmité. L'incontinence. Un assassin. Sid Ahmed Rezala. J'ai écrit une pièce sur lui. Ah bon? Ouais. Si vous étiez un microbe. Elle vous loue. Un colibacille. Si vous étiez un terroriste. Je sais pas, un Corse, vous en avez quelques-uns. Ah oui, il y en a toutes les semaines ici, c'est la première semaine. Ça n'existe pas en Corse, j'y étais en vacances le mois dernier. Ouais. J'en ai pas vu zéro. Ben ils se cachent, c'est normal, c'est des terroristes. Hey, tu prends pas qu'ils vont au Colonna, ils vont s'attendre dans l'aéroport. Si vous étiez une torture, Claire. Les chatouilles. Ah bon? Et si vous étiez une mort?
Un crime passionnel. Bravo. Le crépuscule de Barbe Bleue, Claire Legendre, chez Grasset, mesdames, messieurs. C'est son troisième opus. Ah ouais. À Louis, il est scotché, là. 22 piges. Fabuleuse. Réparti. Bien. On va passer au blind test. Je sais qu'Arnaud de Montebourg est un petit peu inquiet de participer au blind test. Mais je vais vous dire un truc, Arnaud. Quand on demande la démission du président de la République, on doit affronter le blind test. Alors, c'est un blind test spécial été ce soir. Mais c'est normal, c'était l'été cette semaine, le 21 juin. Louis, il est dissipé, c'est incroyable. Je comprends pourquoi ils vous ont viré, les jésuites. Et pour arbitrer le blind test, j'appelle Monsieur Philippe Corti. Ah, c'est l'été, c'est Ibiza, là. L'été, ouais. Ah, c'est Ibiza, là. Très bientôt, je vais finir à poil dans cette émission. Alors, si... j'ai reçu un email d'une fille qui disait pourquoi les danseuses sont toujours comme ça, très dévêtues, et pourquoi on voit jamais Corti danser en string. Mais c'est vrai, en plus. Ben, la semaine prochaine, alors. Voilà. Bon. Vas-y, passe-moi ça. Il y a des mecs qui se mettent dans les trucs pour voir ta lire. Ouais, ils sont là-haut. Il n'y en aura plus, lui, voilà. Bien, Didier, c'est le blind test. Tout le monde écoute. Spécial été, mesdames, messieurs. Bien. Attention, je veux le nom. Non. Quoi? Attention, s'il y a soufflage, il y a... C'est clair. Que les choses soient claires. Que les choses soient claires. Et pour vous aussi, Dalia. S'il y a soufflage, il y a perdage. Clara aussi, attention. Hein. Parce que c'est deux petites tricheuses. Tant pis, je saurais pas. C'est la première fois. Et Laroche, vous êtes bien comporté dans l'affaire de l'OM. Ne perdez pas ce soir votre réputation. Ça serait ridicule, franchement. Donc ne dites rien, ne balancez pas. Ouais. Bien. Vous êtes mal, là. Oui. Ah non, je suis très bien, au contraire. Ouais, ouais. Pas en rentrant, vous serez mal avec votre femme. On va négocier. Didier. Ouais, voilà le soleil. Le chanteur. Chanteur. Ouais. Manu Chao. Non. Ouais. Les chargés d'eau. J'ai peur. Non, attendez. J'ai peur que ce soit la roche. Ah, replay, Serge. Vas-y. Ça sera incroyable. Le chanteur. Malik Chao. C'est Sophie Dalman, pardon. Je pense que Louis Nicolas lui a soufflé. C'est vous qui lui avez soufflé. Ouais. J'ai entendu à la choue, celle-là. Ah, l'avantage d'avoir la choue. Mais il paraît qu'il l'ouvre qu'une fois par mois, la choue. On va arranger ça. Ah ouais, faut arranger ça, non, franchement. Alors ça, moi, j'ai passé ma jeunesse à la choue. Président, enfin, bon. Alors, on continue. L'interprète. Attendez, comment vous faites, Louis? J'étais pas bon chez les jésuites. Ah ouais, putain, bravo. Bravo. Attendez. Hey, Louis Nicolas qui bat Doc Gynéco Blind Test, c'est grand quand même. Mais qui était ce chanteur? Eric Chardin. Je l'ai pas signé, je suis producteur aujourd'hui. Il y en a beaucoup encore. Ah ben, il y en a encore quelques-uns, mais bravo, en tous les cas, ça fait 2-0. Hein. C'est l'équipe des quoi, ça? Ah oui, on n'a rien dit. Alors, c'est comme c'est un truc soleil, on fait les lunettes contre les chapeaux. Ah, les lunettes contre les chapeaux. Ça protège, ouais. La tricheuse. Non, elle triche pas, non. Non, elle est brave aujourd'hui. Non, il ne faut pas le mettre là, le chapeau. Bien, on continue, Didier. L'interprète. Alors, vous savez ça? Vous savez pas? Bob Dylan! Rien. Voilà. Tu
Bon, personne autour de la table n'a trouvé, venez. Paul personne. Venez. Vous pouvez faire gagner votre. Vous pouvez faire gagner l'équipe des lunettes. C'est vrai. Si d'ailleurs il y avait Perdache, c'était Mango Guéry. Bravo, vous avez comment. Bravo. Donc c'est l'équipe des lunettes. Oh, il y a trois lunettes, là, je voudrais voir trois lunettes. Louis, Sophie, je veux que tout le monde porte ses lunettes. Mettez les lunettes et donc. Mettez les lunettes parce que vous avez trois points grâce à vous, merci. On continue. Sophie Dalman. Il y a mon bourg qui se demande s'il a eu raison de rester là. Ah oui. Non, mais c'est sûr, là, il y avait. Mais un truc. Didier. Un petit peu troublé là, c'est pas normal. Chut. Je concentre. We are the world. Yeah. Oh, tu m'as vu. Ouais, bravo. Après tout ce qui vous est arrivé, je suis content que vous gagnez. Vous portez le chapeau. C'est lui qui porte le chapeau. Voilà. Bien, numéro 6. Mangez des pommes. Vénus. Que des filles. La meuf qui a les gros seins là. C'est incroyable, c'est Nicolas et Laroche. Alors ça c'est incroyable, j'aurais jamais cru. Non, vous non plus, hein. Ah, moi non plus. Chanson numéro 7. Grise. Les interprètes. Luciano Volta et Olivia. Je te donne Olivia. Kiki. Luciano Travolta et Olivia. Bravo, ça fait un point. Mais lui, 5 à 2. Donc 5 pour les lunettes et 2 pour les chapeaux. Et les 2 points, il faut bien le dire, sont d'Alain Laroche. Didier. Ah oui. Doc Gineco. Jean Coucard. Ouais. C'est pas facile, hein. Version originale, vous la connaissez la version originale? Non. Les Lovin' Spoonful. Ah non, je connais pas. Faut vous la procurer. D'accord. Didier. Toujours l'été. Joe Dassin. Bravo, Joe. Ah, bravo. Bravo. Ah, c'est extraordinaire ce blind test. Alors ça maintenant, il y a le super banco. Alors le super banco, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que ça servait d'avoir les oreilles en chou-fleur. Ah oui, c'est ça. Oui, mais tu vois, le genre, ça l'aide pas. Tout de suite. Maintenant, il y a le super banco. Super banco. C'est horrible. On gagne. Hein. Non, le super banco, c'est horrible. C'est-à-dire que si c'est eux qui trouvent banco. Le super banco. On l'a dans le cul. Voilà. Louis, attention. Hein. Tu avais dit que ça te rendait rouge de honte de dire des conneries à la télé. C'est faux. C'est fou, mais la vie est injuste, c'est injuste, la loi du super banco est injuste. Alors, c'est comme le tir au but chez vous, hein. Voilà. Mais un truc. Mais un truc populaire. Ah, mais c'est très populaire. Calme. Faut que le chat se calme, oui. Qui chante? Santana. Non. C'est pas Santana. J'ai entendu la chou, ça. Jenny Joplin. Ouais. Doc Gineco a trouvé. Bravo. Elle est morte comme d'une overdose. Absolument. Voilà. C'était Tout le monde en parle. L'émission Pas comme les autres. Laurent Baffy, Sex Magouille et Culture Générale. Avec Laurent Baffy, Pascal Selem, Mado Mora, Daniel Russo, Géraldine Bonnet-Guerin au gymnase. Doc Gineco. Quality Street, c'est le titre de l'album. Souveraine, c'est le nom du single en promo. Doc Gineco, son troisième CD. Fabrice Lucchini, l'arrivée à New York d'après le voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline au théâtre de la Gaîté Montparnasse jusqu'au 12 juillet. Sophie Dalman, ça fait quoi d'être Miss France, l'envers du diadème.
chez Michel Lafon, un livre dédié à Xavier de Fontenay. Voilà, Sophie Talbin. Bien, donc Xavier de Fontenay, qu'on remercie quand même. Alain Laroche, Tapi et l'OM, La Vérité, l'ex-directeur financier de l'OM parle, et c'est chez Plon. Arnaud Montebourg, député de Saône-et-Loire, proposition de résolution chez De Noël. Donc il lui manque encore quelques signatures. Il serait bien de signer les députés. Voilà, c'est chez De Noël, Arnaud Montebourg. Thierry Mariani, merci d'être venu. Député du Vaucluse, Pierre Lejean, le crépuscule de Barbe Bleue chez Grasset. C'est son troisième ouvrage, après Making Up et Viande. Voilà, merci beaucoup. Louis Nicolas, président de l'équipe de football de Montpellier, le MHSC, président de l'équipe de basket du Racing et président de l'association sportive de Béziers en rugby. Voilà, c'était Tout le monde en parle, l'émission Pas comme les autres. Rendez-vous samedi prochain. De ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.